Bien, bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une nouvelle tentative pour le lanceur Rocket 3.3 de la société Astra qui doit lancer une charge d'essai pour le compte du Space Test Programme STP. La charge 27 AD2 qui sera déployée en orbite basse à plus de 500 km d'altitude. On va lancer aujourd'hui depuis le port spatial Kodiak, lié au du pad LP-3B en Alaska, donc au nord-ouest des États-Unis. Ça doit partir entre 6h et 9h30 aujourd'hui. On espère que ça va partir, puisque hier, je vous rappelle qu'on a eu un scrub, on a eu une tentative avortée, annulée, en raison de problèmes techniques. Voilà, on n'en sait pas plus. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Rêve, bonjour Jack. Bonjour Mohamed, bonjour Rêve, bon bah du coup bonjour Rêve, bonjour Evan, bonjour Céline, coucou à tous et à toutes. On est un peu moins de 30, mais voilà, on est entre nous. Les vrais, les courageux sont là. Ce matin, on va tranquillement patienter, puisque normalement la webcast était censée démarrer, hein. N'hésitez pas à me faire un retour son d'ailleurs. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Non, bah la webcast déjà doit démarrer à 5h30, voilà. NASA Space Flight nous met encore une petite douille. Je vais voir avec mon petit Marco s'il est chaud de live. Mais je crois qu'il a même pas lancé son live, donc je vais lui demander. Je lui demande, mais à mon avis, il est encore en train de pioncer, le chanceux. Donc du coup voilà, le lanceur Rocket 3.3 qui culmine à une hauteur de 11,60 m pour un diamètre d'1,32 m. C'est une fusée qui fonctionne avec un couple d'ergols qu'on connaît bien, à savoir le kérosène hyper raffiné RP1 et le LOX. Donc c'est le même couple d'ergols qu'une Falcon 9 ou une Falcon Heavy de SpaceX, pour ceux qui connaissent, qui ne connaît pas. Et elle peut envoyer des charges utiles s'élevant entre 50 et 150 kg. Lequel à l'avenir ce sera un concurrent de Zephyr, hein, du lanceur français Zephyr. Elle peut emporter moins qu'une Electron, donc éclat par exemple, qui mesure plus de 6 mètres de plus, qui mesure 18 mètres. Puisque par exemple une Electron Rocket Lab elle peut emporter entre 150 et 225 kg en orbite, contrairement à cette Rocket 3 qui peut en envoyer un peu moins. Voilà. Vous êtes nombreux, dis donc, ce matin. Salut Charlotte, salut Mbola Tiana, beaucoup de personnes d'outre-mer ce matin. Salut Chat, qui est déjà réveillé, punaise. Mon petit Marco, oh, mais je l'aime bien, tu sais, Marco, ça fait longtemps hein, qu'on le connaît, nous. Hein. Salut Tomo, salut Alexandre. Vous êtes courageux pour moi, pas couché. Mais je t'avoue que là, de voir que ça commence à 5h30, en fait, je pourrais très bien repartir et revenir à 5h30. Hein. On va rester, on est courageux, ici, chez Astro Alex. Salut Arnaud. Bonjour à tous, installez-vous bien. Bonjour Nouvelle-Calédonie, 15h heure locale. Temps bouché hier soir pour l'éclipse, dommage. Ouais, j'ai vu qu'apparemment il y avait eu des averses en Nouvelle-Calédonie. Puis là, vous avez 10 heures de plus, quoi. Il est déjà 15h là-bas, quoi. C'est ouf. Ça, c'est incroyable, quand même. C'est la beauté de la Terre. C'est qu'à un moment, on peut être la veille ou le lendemain. J'espère que ça n'a pas encore fini en même temps, en même pour la zone spa. Il est juste 23h ici, Canada. Pas Canada, bah il est encore 19 novembre, c'est ouf. C'est extra courageux. On essaye, mais là c'est dur parce que je me suis couché un peu plus tard, donc là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Au niveau du TFR, donc TFR, hein, je vous rappelle, c'est la Temporary Flight Restriction, donc c'est la zone que les appareils. Type avion, etc., ne peuvent pas survoler durant un vol hein, pour éviter toute perturbation avec celui-ci. Le TFR est placé jusqu'à aujourd'hui 9h30. C'est-à-dire que si aujourd'hui ça part pas, il y a une faible chance que ça retombe demain.
Concrètement, je vais mettre Twitter parce que j'ai reçu pas mal de news, pas mal de mentions. Ça, c'est pas mal. Bah, je regarderai ça. Tiens, on m'a envoyé un petit truc là. Eh ben, les gens sont chauds. Pas nous suivre sur Twitter, les amis, si vous voulez ne pas rater les actualités spatiales. De toute façon, vous les retrouverez aussi sur la communauté YouTube, sur la page Instagram, en story Instagram, sur la page Facebook et sur le serveur Discord, bref, ou nos réseaux sociaux, avec la commande point d'exclamation réseau dans le chat. Nightbot se fera un plaisir de vous les donner. Merci pour l'aim, merci à toi, dans le cas. Tu sais de quelle planète SVP? Vu que le dernier essai de roquette, ça a été populaire en GeForce avec son déplacement en gras. Carbe, carbe. Bon, je vous avais montré tout ça hier, je vais pas vous le remontrer ici. Normalement, NASA Space Flight doit prendre l'antenne dans un peu moins de 25 minutes. Et sachez, les amis, je fais un peu d'auto-promo, mais bon, je me le permets, c'est ma chaîne. Encore heureux. À 16h45 aujourd'hui, on sera aussi en live, puisqu'on va couvrir. Lucas sera avec moi normalement, ça c'est cool. C'est lui qui va s'occuper de host le live. Si tout va bien. On va s'occuper de couvrir ce soir, enfin cet après-midi, à 16h45, le désamarrage du cargo Sinus NG16 de l'ISS qui va se détacher de la Station Spatiale Internationale et qui va tranquillement se consumer dans l'atmosphère avec tous les déchets entreposés par les astronautes. C'est un cargo qui est arrivé quand même le 12 août dernier. Hein. Il est resté plus de 3 mois sur l'ISS, attaché à la station. Au nœud Unity. Donc voilà, deux lives aujourd'hui. Et puis après, pour la suite du programme, on se retrouvera la semaine prochaine à partir du 24 novembre pour deux lives la même journée aussi. Au lancement de l'impact astéroïde DART qui sera lancé par une Falcon 9 de SpaceX le matin. Et un peu plus tard dans la journée, à la mi-journée, une Soyuz 2-1B qui propulsera le module Itchal. Voilà. Et je crois qu'on vous a répondu, je crois que Marco m'a répondu. Ok. Ok, Marco m'a déjà répondu. Moi, je suis déjà en ligne. Il n'a pas encore lancé son live. Ok. Bah écoutez, écoutez. Merci, on est déjà plus de 40, hein, merci à vous. Pourquoi des créneaux horaires précis pour l'école de fusée? Bah, c'est des fenêtres de tir. Puisqu'en fait, parce qu'en fait, bah, on peut libérer, on peut bloquer le trafic aérien jusqu'à une certaine période, enfin, le trafic aérien, comment dire, le passage de certains appareils jusqu'à cette période. Ou alors, par exemple, pour Mars, on a des fenêtres précises pour aller pour se rendre sur Mars parce que les planètes ne sont pas, enfin, ça dépend de la configuration des planètes. Bon, là, on lance en orbite basse, donc en fait, on peut lancer concrètement quand on veut. Sauf qu'après, je pense que voilà, il y a les restrictions aériennes qui font qu'on peut pas lancer n'importe quoi. Elle décolle ou elle glisse sur le côté comme. J'espère que ça va partir. Salut du Québec, salut Rox, salut Fabien, les 8h07 ici à la Réunion. Coucou de Nouvelle-Calédonie, salut Jean-Paul. Faut appeler Pierre pour qu'il donne des infos sur Rocket. Pierre, il est en train de dormir, je pense, à cette heure-là. Il est 15h10 sur Nouvelle-Calédonie. Coucou, j'espère que vous allez bien. Salut Rose. Salut à toi. Bon, on s'est encore fait avoir par la Space Flight, finalement, qui nous troll hein, jusqu'au bout, qui nous dit au début on le lance à 5h, finalement il lance à 5h30, vous allez voir qu'il me lance à 6h30. J'espère que ça va pas prendre des plombes comme hier, quoi, parce que. Sinon, ça risque d'être compliqué. Vraiment, là, d'enchaîner deux journées comme ça. C'est chiant, on est samedi, vous voyez, je suis un peu en week-end aussi, j'aimerais me reposer. Mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais la passion avant tout, les amis. Puis ça lancement d'Astra, quand même. On aime bien. Bonjour, du coup, pas de report cette fois, c'est la bonne. On espère, hein, on espère. Aujourd'hui, c'est intérêt à partir, hein, même pour Astra, parce qu'ils perdent du temps, ils perdent potentiels investisseurs, etc. Donc, voilà. Et dans 5 minutes,
5 minutes, pardon, normalement je devrais être rejoint par Marco. Croisez là. Ouais, salut YouTube, salut Romain. Bienvenue à toi sur ce stream. Ah, il y a quand même quelques personnes hein, qui sont présentes ce matin, ça fait plaisir. Tu vas être un peu chaotique si ça ne part pas. Ouais, c'est clair. Bah moi j'aimerais que ça parte au plus vite. Mon grand bien. Parce que ce soir on a un autre live aussi à gérer. On n'a pas qu'un seul live aujourd'hui, donc voilà. C'est pour ça que. Il y a grosse TC sur 13 minutes de la fin, ouais, c'est clair. La spéciale t'a coupé net son flux, c'était pas fou. Hier c'était un flop, ouais. Ouais. C'est clair. Oh, un joli flop. Oh l'Alaska, et pas bonne question. Je t'avoue que je n'en sais rien. Faudrait, je pense, poser la question à Astra eux-mêmes. Peut-être qu'une spéciale l'aura déjà demandé, hein. Allez, les cœurs, ça va partir. On espère, on espère. Bonjour du Québec, salut Québec. Niveau communication, ils sont nuls. Mais en plus, ils stream même pas eux-mêmes pour venir. C'est Nada Space Flight qui s'occupe de ça. Parce que c'est beau l'Alaska Event. Ouais, non, mais c'est pas question de beauté. C'est pourquoi on lance d'aussi haut alors qu'on pourrait profiter de l'effet de fronde au niveau de l'équateur, tu vois. Un bon café, ça va encore durer. Je n'aime pas le café, comme ça c'est réglé. Je vais prendre un petit déj quand je pourrais, c'est pour ça que Marco m'accompagne comme hier, normalement. Donc voilà. Elle de floppy à 3 d'un scrub et 3 d'un scrub. Ouais, c'est clair. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. On n'y peut rien. C'est ce qui fait le charme du spatial aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Faut pas s'en plaindre. Le café, voilà, rêve, il connaît mes goûts. Et après, le café, tu l'as dit à moitié fermé. Je n'aime pas ça. Donc comme ça, c'est réglé. Comment ça va? Salut, One. Bah ça va, et toi? La carrière géopolitique arrivera-t-elle au sein de l'espace suite aux missiles lancés par les Russes pour l'espace? Non, je pense pas, mais... C'est quand même malheureux ce qui s'est passé. Pas pour rien, moi j'en ai encore appris plein de choses. Salut Daniel. Vous êtes nombreux ce matin, vous êtes chaud là. Déjà 50, merci à vous. Même chose pour Firefly, c'est Everyday Astros qui diffuse, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ils ont su bien se placer les malins. Un petit Red Bull. J'aime pas ça. Bon, comme ça. Comme ça, c'est réglé, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la webcast en mode studio parce que si jamais ça démarre. Et qu'on est pris au dépourvu, ce serait pas ouf. Ouais. Ce serait pas ouf du tout. Pas dormi et bois, j'espère que ça va se crasher fort. Ah punaise, c'est dur ce matin là, les gars. Waouh. Ça pique. Hein. Ça pique sacrément ce matin. Qu'aujourd'hui, les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne parce qu'aujourd'hui on vise les 16K. Hein. On peut atteindre les 16 000, je pense, aujourd'hui avec les deux lives qu'on a. On a un beau live en plus ce soir. Donc je me dis, c'est possible. On est actuellement combien sur la chaîne? On va aller voir ça, tiens. Combien sommes-nous sur la chaîne à l'heure actuelle? On est
15 939, les amis, nous manque 61 personnes et on est 16 000. Donc n'hésitez pas à eh bien, nous aider en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche, en lâchant un pouce bleu, en partageant ce live, ça nous aidera au mieux. Je suis étonné de ce lancement de missiles par les Russes, je pense que s'ils l'ont fait, il y a certainement une raison, ils sont pas aussi bêtes que ça, ils savent bien les risques que ça engendre. Ouais. Et là, ils ont failli quand même condamner deux de leurs cosmonautes aussi, quoi, hein, qui étaient dans l'ISS, je rappelle. Ouais, 15 900, mais moi j'ai le chiffre exact, on est 15 000, exactement, on est 15 939, donc il nous manque 60 personnes, 60 petites personnes. Pour être 16 000, ça serait cool qu'on les atteigne aujourd'hui, les 16 000. Ouais, vachement cool. Je pense que c'est possible, hein, en deux lives en une journée, je pense que c'est faisable. Donc voilà. Voyez, oui, voilà. Dans 13 minutes, normalement, NASA Space Flight prend l'antenne. Mais moi, je sens qu'ils vont encore repousser ça à 6 h du matin. Vous allez voir. Pratiquement sûr qu'ils vont faire ainsi. Mais des pouces bleus, plus welcome, libère les sèche-cheveux, ouais. Abonne-moi, activez la cloche pour un OP, on est sur une chaîne qui nous donne toutes les infos, les animateurs sont sympas, alors zoup, merci Rêve pour ton message, fait plaisir les messages comme ça. Ça nous motive dès le matin. Merci Romain pour ton partage sur Twitter, ça fait plaisir aussi. Bon, est-ce qu'on a des infos? Le T0 est à 6 h 30 maintenant. Ça a déjà repoussé 30 minutes Astra. Donc pas de live avant 6 h 30. Super. J'ai manqué un appel de Marco, je vais l'appeler tout de suite. Pas de lancement avant 6 h 30, les amis. On a déjà un petit report. Salut Marco. Salut Alex, salut tout le monde. Comment Je vais vas-tu? Bonjour à ta démarrer de mon commu. côté. Je vais bientôt démarrer de mon côté. Ça marche. Alors comment ça va? Bah écoute, fatigué. J'ai moins dormi que la nuit précédente, c'est génial. Mais bon, on est là, hein. On est motivé. Bah, C'est comme Astra, et d'habitude. j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien les Space Flight, donc. Voilà. bah les amis, du coup, ça part pas avant 6 h 30, hein, donc vous pouvez partir et revenir, je pense. Problème. Moi j'ai modifié la mini en conséquence, du coup. Super. Ah, c'est génial quand ça démarre comme ça. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un flux vidéo quand même dans 10 minutes? Non, je pense pas. Les SF, je pense qu'ils démarreront pas avant 6 h. Comme hier, où ils ont repoussé plein de fois, tu sais. Ouais. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois, je me lève pour rien, du coup, 5 h du matin, dès le 5 h du matin. Et bon. Je vais pas te mentir, j'ai encore un mauvais pressentiment pour aujourd'hui, moi. Ouais. Ça pue. On verra bien, hein. Ça. Ma commu qui te dit bonjour, Marco. Ah, maintenant je vais venir vous voir. Du coup, moi, tiens, bah, ça tombe bien, je vais décaler un coup mon direct. Je pense que tu peux te le permettre, Oui, ouais. ça sert à rien de faire attendre les gens pour rien. C'est justement pour ça que je dis ça en avant, ça en ayant deux astronautes à bord. D'abord, il doit y avoir une raison spécifique pour l'avoir fait, ce n'est pas anodin. C'était un essai balistique stupide, de la pure provocation mal tombée, il y a eu un congrès débat concernant la pollution de l'espace, les matériaux et surtout humains que ça a engendré. Ben quoi, c'est le sport du savant de libérer les cheveux comme c'est Marco. Okay. Donc vraiment, ouais, la spéciale prend la tête dans moins de 10 minutes, mais moi j'y crois pas du tout, je vous le dis. Parce que je pense que, bah, vu que ça part à 6 h 30, ils vont pas s'embêter à prendre l'antenne 1 heure avant, ils vont pas meubler comme nous. C'est clair. ils vont pas s'embêter concrètement. Alors, bah, je vais remettre la miniature à jour, du coup, hop là.
Ça démarre bien, dis donc. Vivement qu'on s'en débarrasse de ce lancement. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que là, on n'en peut plus, quoi. C'est Ouais, vraiment pas. malheureusement. C'est vraiment pas cool. De plus en plus, Astra me fait penser à une espèce de blague d'initié comme l'ornithorynque du type cycle. Tu vas loin, chat. Tu vas très loin, chat. Du coup. Et bah, miniature modifiée, ça part à 6h30 désormais. Et je vais aller aussi modifier la minia. Eh bien, ici. Tu travailles Tac. aujourd'hui? Non, bah non, c'est samedi. Je travaille pas. Enfin, il y en a qui travaillent le samedi, mais moi, je travaille pas, moi. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis en week-end, tu vois. Donc, j'aurais pu me reposer. Je pourrais être encore en train de dormir, mais non. Le temps de déjeuner? Oh, bah, je déjeunerai tout à l'heure. Je vais avoir besoin de manger à un moment donné, ouais, pour recharger les batteries, là, parce que c'est chaud. Astra a d'autres projets de fusée, je m'en souviens pas. Il me semble pas qu'ils ont d'autres. Je vais aller voir leur site, mais il me semble qu'ils ont juste Rocket 3 pour l'instant comme lanceur prévu. Ont déjà du G20. mal à le faire décoller. Déjà, faudrait qu'ils arrivent à ouais. Faire en sorte qu'il marche. Après, on verra pour d'autres lanceurs. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres lanceurs programme. Salut à tous. Salut Benoît. Le tir de missile anti-satellite a été suivi d'un tir test de missile supersonique Zircon. Il y a des tensions fortes entre les Américains et les Chinois et les Russes. C'est une démonstration de force. En somme, les investisseurs vont pas être contents, mais si je peux me permettre cette question, est-ce qu'ils en perdent de l'argent si fusée part pas? Je pense, ouais, parce qu'il n'y a pas de retombée financière. En fait, c'est des coûts, il n'y a pas de rentrée d'argent, quoi. Donc, Exactement. on dépense, mais on fait pas rentrer d'argent dans les caisses, quoi. C'est bon, le live va durer 3 heures, Alex a le temps de... Mais ouais, non, mais ouais, c'est clair. On verra bien. Donc, départ pas avant 6h30, les amis. Hein. Astra l'a communiqué sur Twitter il y a... à 5h16, donc il y a... Ah non, à 4h16 ce matin, punaise. Si j'avais su, j'aurais lancé le live plus tard. Donc on peut penser quand même qu'on aura un flux vidéo. Je pense qu'il l'aurait décalé. Et Astra dit que... La spéciale a débuté son flux à 6h sur Twitter, alors que il est toujours marqué 5h30 sur le live NSF. À voir, à voir, à voir. En tout cas, ça va te faire du contenu pour ton récap de la semaine prochaine. C'est clair, et on a posté pas mal d'actu. Alors hier, on en a reposté un peu hier soir, c'était un peu mort hier dans la journée. SpaceX un petit peu. Ouais, bah là on a B5 qui a été assemblé, ça y est, Ouais, ça c'est bien ça. dans le high bay, ça c'est cool. Et on a hier soir on a l'écoutille entre le module Unity et Cygnus qui a été fermée, donc prête pour le départ du cargo cet après-midi. Ok. Aussi on a eu le static fire hier de la Falcon 9 qui doit partir le 24 novembre pour lancer l'impacteur d'astéroïdes DART. Et puis ouais, on a pas mal d'infos, on a eu pas mal d'infos en fait surtout c'est sur Starship avec la conférence d'Elon. Enfin pas mal de D'Arte qui a choses. été avancé à 8 ou 9 heures du matin, il me semble. Non, c'est à 7h21 le D'accord. 24. Ok. C'est à 7h21 mercredi. Ça, normalement, je pourrais le live. Mais ça, par contre, faut pas que ça parte. Enfin, limite, ça va être tendu parce que je fais au travail après. Donc, ça va être tendu en vrai que je le stream. Mais bon. On verra. Et parce que Lucas est absent pour l'instant. Alors, Lucas est revenu. Lucas, il va être avec moi ce soir en live d'ailleurs. Ah, ça c'est bien ça. Mais pour le Sinus. désamarrage du sinus, ouais. Pour les amarrages du sinus. Donc, il y a des chances qu'il soit là la semaine pro. Mais je sais pas. Parce qu'il me semble qu'il devait partir en Irlande à un moment. Donc, je sais pas s'il sera là la semaine prochaine. Je lui demande tout à l'heure, j'en profiterai. Le client est l'armée des USA, tout à fait, j'ai pas précisé, c'est la Space Force américaine, hein, ici le client. La force spéciale. C'est un peu comme le commandement de l'air et de l'espace chez nous, quoi. Si vous voulez. Voilà.
Mais pas de café, Alex. Non, je ne bois pas de café, Rox. Voilà, je suis un. Je ne suis pas un adepte du café. Contrairement à moi qui en bois 5 litres par jour. Oui, le B5 et le live, et on les voyait travailler dessus. Ouais, bah nous, de toute façon, on couvre ça via nos comptes d'actu, hein, donc n'hésitez pas à nous suivre. Twitter, Facebook, Instagram, et bien sûr la chaîne YouTube, et le serveur Discord, pour ne rien rater de toutes les news. La Space Fed va prendre l'antenne dans moins de 4 minutes, ils ont pas repoussé leur flux, est-ce qu'ils vont prendre l'antenne? Bah écoute, moi je vais bientôt commencer du coup. Ouais, tu devrais lancer le tien, je pense aussi. Oui. Je le fais vraiment parce que je me suis engagé à faire ce lancement. Parce que sinon, tu sais, ça fait bien longtemps qu'ils m'ont donné un peu l'envie de pas le faire. C'est juste de la fusée qui fait un Oh. kilomètre à l'horizontale en commençant à s'élever. Oui, c'est celle qui a fait ça lors de son dernier tir en août. Peu comme la fusée Epsilon, pardon, japonaise. Toujours programmée, mais jamais lancée. Ah, elle a été lancée, Epsilon, pendant le retour de Crew 2. Mais elle avait été repoussée déjà deux, trois fois. Ah, et encore jeune, normal qu'il y ait des holds et des rudes. L'expérience va encore donner moins de holds et rudes, ouais. Après, l'entreprise a quand même 5 ans déjà, hein. Astra, ils ont 5 ans, c'est pas comme si ça faisait un an ou deux qu'ils avaient débarqué dans l'industrie, quoi. Marco, adepte du café. C'est ça. Ouais. Ah, Marco, il est un peu plus vieux qu'Alex, donc il a des Ouais, pour le coup, mauvaises ouais. habitudes. Ah, Mauvaises habitudes. Alex, coucou tout le monde, coucou de la Réunion, salut Midian. Ben, salut à la Réunion. Il y a pas mal de réunionnais de Calédoniens qui me suivent ce matin, c'est assez drôle. Parce que chez eux, Ah, moi. il est plus tard, donc ils sont Moi, réveillés. j'ai l'impression que les Russes, ils dorment encore. Je te reprends tout de suite, Marco. J'en ai pour 30 secondes. Re monde. Heureux, bah tiens, moi je viens de démarrer justement mon direct. Et bah bonjour à ta communauté. J'ai encore personne. Les Russes dorment encore, ça va. Ah, il y a Sonia qui est là. Et bonjour. Et puis voilà, on va patienter du coup. 60 secondes avant le début du direct, normalement. Boulot comme chaque matin, je travaille le samedi. Bah, bon courage Mignon et bon courage à ceux qui travaillent aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. La Réunion, c'est là que j'habite. Il y a beaucoup de Réunionnais comme ce matin là. Oula. Hop. Bon, déjà, si on pouvait avoir un flux vidéo, ça nous aiderait un petit peu à combler, on va pas se mentir. Ah, je suis parti sur un truc qui me plaisait pas du tout. Et ben on est toujours en attente de NASA Space Flight 5h30. On vous attend, NASA Space Flight. C'est sûr. Là, mais je sens qu'ils vont repousser encore leur direct. C'est obligé. Attends que ça Oui, va. Attends que ça tire à 6h30. ils vont le faire à 6h15. Ouais, quelque chose comme ça. Bah hier, de toute façon, on avait attendu c'est à 6h15 hier, hein, que le flux avait commencé chez eux. Donc il serait pas étonnant qu'ils réitèrent ici. Eh ben tiens, j'ai déjà un de mes modérateurs qui est là, on a Tournelist qui est là. Tes modérateurs, ils sont là au moins. Les miens, je les Bah en vois fait pas. je les ai habitués à streamer tard le soir donc la plupart ouais ils sont là.
Salut Alex, je savais plus dormir du coup, un petit live pour se réveiller et bonjour à Tim, salut Martin. Je suis tout seul, enfin je suis avec Marco mais il n'y a personne d'autre de l'équipe avec moi ce matin. Y a que les fous qui sont là cette heure-ci. Voilà, les vrais, les courageux, les vrais, ouais. Que faire Dis-moi, quand t'en on est penses? hospitalisé à domicile et bloqué dans son lit, regarder un bon lancement avec la team S-Rolex. Oh Julien, bah écoute, bon rétablissement à toi, c'est pas drôle d'être hospitalisé. Non. Non. S'il y a encore un hold, Alex va faire la gueule, c'est clair. C'est clair. Bah, ça m'embêterait, quoi. Hier, on était assez dégoûtés déjà avec Marco, ça part pas. Oh, on a un direct NASA Space Flight! On a un direct NASA Space Flight! Allez, c'est parti! Ah, ça fait plaisir, ça. Hein. Exactement. Il débute direct. Hein. Je vais vous On mettre leur. précise que c'est pas habituel hein, qu'on ait l'autorisation de diffuser NASA Space Flight. Hein. Ouais, C'est c'est vraiment exceptionnel. exceptionnel. C'est pour les vols de ce type. Allez, je vais vous mettre le son pour leur super intro que j'adore, voilà. Donc la Space Flight est pas. Ils ont respecté l'horaire. GG à eux, enfin respecté. C'était 5 heures de base, mais ils ont respecté leur seul report qu'ils ont fait. On va voir si Astra en fait autant. En fait, ils ont peut-être pris en considération le hold, tu sais, qu'on parle pendant la vérification. Allez, c'est parti, avec leur super intro. Allez. La meilleure intro, je pense, du YouTube game spatial, alors, vraiment. Ok, il y a ton liste, c'est vrai, qui me fait remarquer quelque chose. Il me dit, NSF inclut une communication commerciale pour l'interrogation. Bah, normal, hein, c'est une entreprise avant tout. Il doit avoir une contrepartie, de toute façon, avec Astra. Ouais, je pense qu'il doit y avoir, ouais, il doit y avoir quelque chose. Ils vendent des t-shirts des mecs. Oh oui, ça fait très longtemps, mais tout le monde le fait, ça. Bah, même nous, on le fait, hein, on a une boutique aussi, hein. 42 minutes avant Hello le everyone, lancement. you are looking live at Nice. launch vehicle 0007 on the pad at the Pacific Spaceport Complex in Kodiak Island, Alaska. Astra is currently at Meilleur son. T-minus 42 minutes and counting, and we are Non, ouais. anticipating a Je vais hold baisser un peu le in son. Ah, 30 on voit que la minutes fusée est pas before trop all remplie hein, par rapport evacuation à is hier. complete, so we are coming to you Il y a live moins and direct d'ergol. from Astra's headquarters in Alameda, Et on retrouve California. Thomas My name is Thomas Burgart, Burgart, qui est and le today directeur des informations chez NASA I'm Space Flight, Astra's et Director Carolina of Grossman, Corporate qui est directrice Affairs des and Product produits Management chez at Astra. Astra. Carolina, thanks Très for bon being duo de on today. commentateurs qu'on a déjà eu Thank l'occasion you. de voir Excited par le to be passé. here for our next launch attempt. Astra and NASA Space Flight are partnering once again to bring you this live stream, so thanks to Astra for Allez les covering amis, the est-ce que vous expenses pensez que involved ça in va making it partir happen? aujourd'hui Also, as usual, we will ou be taking pas? your chat, so if you have a question about today's launch, Magnifique please aussi cette tag intro. us Pour moi, with c'est la NASA meilleure Space Flight. intro We're gonna bring du you up game. close. As many Allez, questions moi as je vais we can, relancer as mon quickly as we sondage. can over the Astra course of the broadcast. va-t-elle décoller? If Bah you're tiens, je vais listening to leur this demander live, aussi, please moi, know mes that there viewers. was a launch attempt that was Pas de stalled jaloux. late in the countdown. On We'll get verra. some more information about that. Carolina, what went on last night? Allez, moi, le sondage, Yeah, il est so parti. Donc, if you were question with us last simple, hein. night, we Astra were va-t-elle décoller stalled aujourd'hui? at T-minus roughly C'est 20 parti. minutes before our due 41 deadline. minutes avant le décollage. Donc, vous avez une représentante de chez Astra et, comme l'a dit Kodiak Alex, Island, 8 degrés Celsius. directeur, un des directeurs du coup And de you NASA know, over the Spaceflight. last couple of weeks, as we've been testing our system up in Kodiak, we've learned how to Voilà, moi je vous ai mitigate envoyé un the weather sondage. issues that we've Astra encountered due to va-t-elle extraordinarily faire cold partir sa weather. fusée aujourd'hui? However, Oui ou last non, night vous did répondez. find some frozen On va ocean comparer les deux subtilty in sondages the après. weather system Ouais, ça risque d'être that we drôle. were unable to clear in time Alors, for ils partent où? our plan Je leur mets un coup de to pied easier quelque part. climb. Ouais, t'es violent, toi. Due to today has Encore de nuit, je préfère le jeu au spatial. Bah, sachez que là, climatic conditions that we believe il have est quelle heure solved là-bas? the Il doit être issue for us 19h, so far. 20h. This evening, the Il y a system 10 heures seems to d'écart. be working nominally. Alors, Alors, comme ce qu'on avait Kodiak, vu hier. for a smooth countdown J'ai and déjà for 12 taking votes, hold moi, chez moi. today. Again, Alors, we are expecting il est a cold weather ahead, 19h34. which is why that Alors, cold local. weather Moi, j'en ai 34, 4. yes, Je sir, suis à is currently 75% de causing oui. a little bit of a delay. Moi, So we are je suis à 65% de oui. Tu vois, les gens sont hopefully plus pessimistes chez approaching moi. sooner rather than later. Carolina, where are we in the countdown right now? Directeur des nouvelles, non, des Should informations. be Les news, around c'est les informations. on your screen. You can see that middle portion of the rocket, that's the first Alors, stage of the bon, allez, astronaut faut le phase dire, of the on veut space tous flight. voir It l'intro is et Carolina, la fusée, on s'en dominated fout. by the icy condensation starting to form around it. Ah bah We excuse-moi, je will savais pas que tu étais continue une our femme, bah écoute. propellant loading operations. Otherwise, we're keeping an eye on the winds J'ai to voté keep non, hein, everything personnellement. cool. However, the Sur conditions mon live? look Oui. to Oh, be je suis à 50-50 de mon côté. Oh, ça commence à not pencher. good.
Allez, moi je vais voter aussi, comme ça. 50-50, vous pensez vraiment? Ah, on peut pas voter sur nos propres lives. Non, 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 on peut pas. Moi j'ai 26 votes, pour l'instant c'est 69% de oui, 31% de non. 70 à oui, les gens... Ah, ils vous montrent le tir statique, regardez les amis, qui a été effectué avant-hier. On va Donc regarder ça. La mise à feu statique, qui s'est bien passée. Quand même que les 5 moteurs Delphine, ils envoient quand même. Ça va partir, mais en toupie, bah, j'espère pas pour eux quand même. Astro, bonjour, un petit café. Je ne bois pas de café, mais merci de ta proposition. On me dit, je pense qu'ils préféreront retarder le lancement que d'avoir une fusée qui part en moonwalk. C'est vrai, mais bon, ils font que de retarder ou reporter. Donc à un Et moment... ça part jamais. Vraiment, faut que ça parte, quoi. Voilà. On rappelle quand même pour tous les viewers que c'est une petite fusée, hein, elle fait seulement 11 mètres de haut, mais elle n'en est pas moins puissante. Hein. Ouais, je l'aurais précisé en début de live, ses caractéristiques, ses specs techniques. On aurait pu mettre oui ou non, ça foire. Ouais. Je regarde un peu ton sondage. Ah oui, ça va. On a 71% de oui. Ouais, positif chez vous. Moi, je suis à 50-50. Ah ouais, quand même. And there was something unique about this particular launch campaign that it happened in Alaska because that is a little bit different from how it's been done in the past, right? Alors avant, peut-être qu'on va se manger un hold aussi, hein. Tu sais, à 30 minutes hier, on a eu un hold et à mon avis, on va avoir. C'est possible, c'est possible. Attention, attention. Parce qu'en plus, Astra, on dit que ça partait à 6h30. Donc ça veut dire que je pense qu'on va avoir un hold jusqu'à 6h du matin. C'est fort possible. C'est-à-dire que de 5h44 à 6h, je pense qu'on va avoir un quart d'heure où le compte à rebours va être bloqué. Et après, ils vont le relancer si tout se passe bien. Which has been very helpful since these are really cold temperatures that we've been seeing. And over the last couple weeks of working towards our static fire test, we've gotten to learn a lot and iterate very quickly in order to get to this point. Has that also changed simply since the last launch? C'est oh le mât a bougé. Bah c'est vrai qu'il était sur le côté, je crois. Ou alors ils ont changé l'angle de caméra, peut-être c'est plutôt ça. Je pense. On a l'impression qu'il y a un petit peu moins de vent qu'hier, quand même. Ça c'est bon signe. Parce que les vents, hein, je rappelle que les vents en altitude, c'est très traître, hein, pour les fusées. Après, l'avantage pour celle-ci, c'est qu'elle est toute petite, donc moins sujet au vent. Sujet au vent. Ouais. J'ai regardé vite fait, ils ont loupé toutes leurs tentatives jusqu'à aujourd'hui. Ouais, toutes leurs tentatives de tir orbital, elles ont échoué. Là, ça commence à être rendu quoi. Tendu. Une astrophique. Elle est pas mal celle-là de Jack. Astrafix. Allez. On est à 35 minutes avant le lancement. Bon, le il faut surveiller 0, 0, 0. Faut surveiller le compte à rebours là. Je pense qu'à 30 minutes, le compte à rebours va être bloqué, va être interrompu. Si ça part aujourd'hui, c'est mort pour eux, non? Bah ouais, parce qu'en fait, il n'y a plus d'autres TFR de déposer après. Enfin, je vais aller voir si on a d'autres, mais il me semble que non. Avec un numéro à la James Bond, ça devrait réussir. Si je regarde les TFR ce matin, le TFR, il s'étend jusqu'à aujourd'hui 9h30. Donc si ça part pas aujourd'hui, ça partira pas demain. Mis à part s'ils redéposent un TFR d'ici là, mais là le TFR, en gros ils peuvent partir jusqu'à 9h30 aujourd'hui. Donc on peut encore potentiellement les amis être en live encore être 4 heures ensemble ce matin. Voilà. Je pense que je vais clore le sondage parce que j'arrive pas à lire les messages dans mon OBS.
Donc c'est un peu chiant. Hop. Des fois ça bug, ouais. Ouais. Donc vous êtes 75% à penser que oui, donc les trois quarts pensent que ça va partir. Et le quart restant est moins optimiste. Donc je vais mettre fin au sondage. Hop. Moi je suis à 57% de non pour l'instant. Ah ouais, donc toi c'est clairement l'autre côté quoi. Quand la communauté, quand ils voient ma tête, qu'ils voient que je suis dans les mauvais jours, ils savent que ça part pas. On marche à l'instinct. Ok, donc là on a 90% de chances d'assister à un feu d'artifice plus qu'à un lancement orbital. Ouais, ouais. J'espère pour Astra que ça va partir comme il faut quand même. Déjà, on assiste à un feu d'artifice et qu'ils ont décidé de lancer, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et déjà, on doit tous être en train de faire la fête là. Another question here from the Orc Cloud. I don't know if it's from the actual Orc Cloud, but the question asks, what changes have been made to LV7 to prevent an LV6 from happening again? That's a great question. So, if you watched our Allez. LV0006, on va arriver sous les 30 minutes. Alors, est-ce qu'on va voir Hold à 30 minutes, à ton avis? Moi, pour moi, oui. Parce qu'ils ont prévu de faire décoller leur fusée à 6h30. Donc, s'il n'y avait pas eu de Hold, ça voudrait dire que la fusée part pas à 6h30, mais à... Mais à 6h14, quoi. C'est possible. Quickly seal off and disconnect when the vehicle lifts off. But unfortunately, a very small amount of propellant leaked out of that system. Possible. The very, very hot exhaust of the engines, it ignited and caused some of the electronics on one of our five first stage Delphin engines. To send a signal to shut off one of those five engines. Hier, il y a eu un hold à H-30, ouais, bah ouais. Le sondage à faire, c'est plutôt, est-ce que ce tir va réussir ou non? Déjà, il faut que ça parte. Avant de se dire, est-ce que ça va réussir ou pas, déjà, il faut que ça parte. Clair. Oh, je pense que ça devrait le faire aujourd'hui. Il y a presque 80 sur le live, merci à vous, vous êtes déjà nombreux là, même pas 6h du matin. J'ai presque une centaine. Merci bien à vous. Ça. Ouais. Bien, c'est bien. Merci à vous. In the unlikely event that anything should leak, it will be much less likely to mix. Astra et Electron sont du même groupe spatial? Non, pas du tout. Astra c'est Astra et Electron c'est Rocket Lab. C'est deux entreprises en plus qui sont plutôt concurrentes. Et pourtant, ce sont deux entreprises américaines. Je rappelle que Rocket Lab, même si elle est implantée en Nouvelle-Zélande, c'est une entreprise qui est américaine. Et qui est d'ailleurs est en bourse hein, depuis pas longtemps. Et qui travaille avec SpaceX et la NASA. Enfin, tout le monde travaille avec la NASA. Hein, de toute façon. Bah, d'ailleurs, ils vont envoyer une mission pour Artemis, hein, Rocket Lab, qui est Capstone. Rocket Lab, ils sont quand même un peu plus avancés, ils ont déjà plus de fonds qu'Astra. Hein. On va dire que Rocket Lab, on va dire, développe la récupération low cost pour les futures entreprises. Ouais. On va dire ça. Parce que low cost, faut quand même qu'on avoir un bon pilote d'hélicoptère, hein. Faut pas qu'il se rate. Bah ouais. Dans ta voix, on n'y croit pas, Marco. Personnellement, j'y crois pas. Après, moi, je suis assez pessimiste. C'est l'habitude. C'est ta nature, quoi. J'espère que ça va décoller, parce que comme je le dis, hein, j'ai hâte de l'avoir décollé, mais j'ai hâte de me débarrasser de ce direct aussi. Ouais, ouais, c'est clair. On le traîne quand même, Alex, depuis combien de temps? 3 semaines? Ouais, facile. Oh. C'est pas qu'on en a d'autres sous le feu, mais à l'horaire, on peut faire décoller. Ce qui allait jusqu'à hier, c'est qu'on le reportait sans prendre l'antenne. Là, depuis hier, on prend l'antenne et ça part pas. C'est ça le souci. On me demande la taille de la fusée, bah, elle mesure 11,60 m. On me demandait si elle était petite ou non. On va avoir la télémétrie, oui on a une semblant de télémétrie à gauche, hein, via une timeline. Astrolex, une équipe de passionnés au top, toujours. Moi je vais réafficher un petit coup les informations de la fusée, c'est des petites fiches. Astra a un rapport avec Opel, non rien à voir. Rien à voir, c'est pas mal, pas mal. Ce serait une mauvaise publicité en attendant, pour l'instant. Ils vont avoir la Neutron Rocket, pas tout à fait, en 2024, on va avoir un lanceur, un nouveau lanceur qui sera, je pense, en partie réutilisable, qui sera Neutron.
So we'll bring that to you as soon as we have it. Qui aura 40 mètres de haut. In the meantime, we're going to keep the Q&A going here. 30 minutes, hold là-bas, voilà, on a un hold, regarde Marco, qu'est-ce que je te disais. Ouais, bon, bah, on sait que c'est habituel, du coup, chez Astra. Si tout va bien, le hold, il va durer qu'un quart d'heure. Ah, mais ça, c'est encore un petit problème de communication. Il devrait intégrer plus 15 minutes à l'heure des comptes. Ou en nous spécifiant avec un bandeau spécifique. Bon, je pense que NASA Spécifique ouais, mais tu vois, le précise. Par exemple, Blue Origin, quand ils ont des holds, bah, ils précisent pas combien de temps ça va durer. Tu vois juste le nombre de minutes depuis lequel... le nombre de minutes... comment dire. Tu vois le temps qui s'est écoulé depuis le début du hold. Alors que là, on a juste un chrono figé, quoi. C'est ça. Salut mec, salut Samy, salut à toi. Le K30, et ouais. Et je vous avais dit, je vous l'avais dit qu'il allait y avoir un hold, les amis. Bon, de toute façon, on a une heure de lancement, c'est 6h30, heure française. Ouais, heure de Paris. Et tu vois, regarde, ils ont rien même. Communiqué. Astra n'a rien communiqué sur Twitter, tu vois, c'est dingue. Je veux dire, tu vois, on peut apercevoir quand même qu'ils sont en train de remplir les réservoirs. Rien qu'à la condensation qu'on a au pied de la fusée et le reste de la partie qui est blanche. Ouais, on voit la du venting, hein. On a du venting là qui commence à se former. Concrètement, j'ai le temps d'apprendre ta douche. Oh, t'as le temps d'aller prendre ta douche, Romain. J'ai le temps d'y aller. Oh, t'as le temps de faire tout ce que t'as envie. La fusée me fait penser à une munition de fusil de sniper anti-blindé. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. On a une cartouche. Et la Minotaur, elle est un peu pareille, la Minotaur 1. Comment ça, non, Alexandre? Oh, il a le temps, ça tire pas avant au minimum 30 minutes, donc il a large le temps. Ah, Astra vient de tweeter. Ah. Le compteur est bloqué et tenu à T-30. Ouais, ça, pas besoin de vous pour ça. Ils ont mis exactement la même chose qu'hier, ils se sont pas embêtés. C'est dingue quand même, c'est dingue. C'est encore un stagiaire qui tient le registre communication chez Astra. C'est ça, c'est ça. Après le stagiaire de SpaceX, tu sais, pour les caméras des SN15, on a le stagiaire d'Astra pour la communication sur Twitter, ouais, c'est vrai le community SpaceX, manager. SpaceX, ouais, c'est vrai que... Bah, niveau caméra, pour le reste des lancements, ça va, mais pour SN, on n'avait pas été gâtés. Salut Jean-Luc. Moi, les gens commencent à y croire sur mon chat, on est à 56% seulement de non que ça ne va pas tirer. Ah ouais. C'est mitigé, ça se mitige. Non, pour le hold d'Alex. Bah, si, il y a un hold, les gars. Oh, ah, Alexandre. Ouais, on est dans la même configuration que hier. À 30 minutes, on est bloqué. C'est juste que la SpaceX a pris l'antenne plus tôt aujourd'hui. On est le week-end. Ils savent qu'il y aura un petit peu plus de monde. Ouais. Enfin, quoique aux États-Unis, il est encore vendredi, là. Ouais, vendredi soir, mais t'as quand même du monde qui reste éveillé, du coup. Oui. Alors que t'as peut-être pas mal de gens qui auraient quitté si c'était en semaine, tu vois. C'est ça. Bonsoir à tous. Salut Impulsion, bonjour plutôt. Le matin. Allez. On y croit. Oui, on y croit. Parfois. On y croit, on y croit. Après, ce qui peut être un peu rageant, c'est qu'on attend des heures pour souvent 5 minutes d'image. Ouais, c'est clair. C'est un peu frustrant, quoi. Mais bon, c'est spatial. C'est ça. C'est comme quand on voit décoller une Falcon 9 et qu'on sait pertinemment que le retour du premier étage va bugger à l'atterrissage. Avec les caméras de la marge. Marche Imbok, bah merci à toi. On est presque 100 sur le live, merci à vous, hein. On est 95 là, plaisir. À quel en lancement? Normalement c'est 6h30. Mais ils ont jusqu'à 9h30 pour tirer. Hein. 9h30, heure de Paris, je précise.
near the water is also makes Kodiak a great choice for launches. Yeah, you can't see the ocean in this particular camera view, but you can see the lack of lights on, around the pas voir grand chose. Là, on voit pas l'océan du tout, on n'a pas une super vue. Et là, on a le plan de vol qui a été dessiné par le stagiaire sur Paint. Comme hier. Je trouve ça pas très sérieux, moi, Marco. Non, c'est pas sérieux du tout, du tout. On voit que Kodiak, c'est une petite île hein, au sud de l'Alaska. Hein. C'est même pas rattaché au continent, c'est une petite île. The next question, are there any advantages to launching at night? The choice of our launch window is really determined by working with the FAA and make sure that we're minimizing the impact to air travel and marine traffic. So due to Kodiak's proximity to Anchorage, Alaska, which is a very, very busy airport and our upcoming busy holiday season for shipping, the night window was allez, on va patienter encore quelques instants. Le hold qui devrait se terminer dans à peu près 5-10 minutes maximum. Oui, le pad de lancement est en Alaska, à Kodiak. Ma sœur fait des meilleurs dessins, mais c'est pas compliqué, je pense aussi, de rivaliser. Relative to the position of other satellites already in orbit, and of course being able to avoid other objects on orbit, such as the International Space Station. In this case, one advantage of launching at night is you actually get a really great view on a clear night. I think the rocket plume c'est gentil les amis, pouce bleu pour la chaîne d'Alex, il le mérite bien, et c'est aussi grâce à lui que nous pouvons vivre tous ces lives, que nous pouvons vous voir, merci Rêve pour ton message, fait chaud au cœur. Tu vois que toi aussi t'as une communauté bienveillante. Ah oui, on a une communauté très soudée et bienveillante nous. On est plus de 100 viewers, merci à vous sur le live, n'hésitez pas à lâcher votre like pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui objectif 16 000 abonnés, on y est bientôt. Donc ah oui, t'es comme ça, toi. Oh oui, je le dis, je suis ambitieux. surtout qu'on a un autre live ce soir, donc c'est faisable, je pense. Oui, pas enfin, ce soir. Cet après-midi, 16h45. 16h45, ah oui, c'est vrai, c'est à 18h. Là, il nous manque, si tu veux, il nous manque 58 personnes, et on est 16 000. Ouais. Donc c'est faisable. Oh, ça va le faire. Ça devrait le faire, c'est peut-être pas sûr, mais ça devrait le faire. Et là, on voit. Tu vas faire gagner une Tesla ce soir. C'est bon. Ça fallait pas le dire, Marco. Et là, on a l'usine de production, je dirais, d'Astra à gauche. Ouais, on voit des sections. Square Air à Boca avec l'inox là. Je pense que c'est en acier inoxydable hein, que c'est fabriqué. Comme pour les Starship. Et Super Heavy. Oui, je pense qu'il doit avoir les mêmes méthodes de fabrication. Ouais. Imagine le prix des équipements pour fabriquer tout ça. Ah bah faut investir hein. Des machines. Ah, surtout que c'est des machines uniques à mon avis pour la plupart donc. Il y a quoi cet après-midi? Le désamarrage du cargo Sinus NG16 de l'ISS qui va se détacher de la Station Spatiale Internationale et se consumer dans l'atmosphère, à suivre à 16h45 en direct sur la chaîne. Je serai avec Lucas pour l'occasion. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a que pendant le live de SpaceX car l'atterrissage des boosters que les cambug en rediff on les voit atterrir correctement. Bah ouais. Avec le live de cet après-midi, les 16 000 seront là. On espère, Benoît, on espère. On le souhaite. Après, l'histoire des caméras qui bug lors du retour, c'est tout à fait normal, entre parenthèses, hein, c'est la liaison radio, hein, enfin radio. C'est les communications, on est en pleine mer. Aussi, ouais. Et en fait, si vous voulez, il y a un espèce de phénomène qui se fait quand, pile au moment de l'atterrissage, il y a une perturbation des réseaux. C'est pour ça qu'on ne voit absolument rien à ce moment-là. Par contre, ça n'empêche pas SpaceX hein, d'avoir des caméras et des images en 4K des atterrissages. Oui, eux ils ont une vraie qualité pour le coup. On peut le voir dans le ciel, le cargo se désintégré. Je sais pas, Pocho. Une question. Right.
Allez, on est toujours avec le hold qui devrait bientôt recommencer son compte à rebours. Je pense que dans 5 minutes ça va repartir. Oui. En fait, c'est le temps de charger les ergols, les amis. Hein. Le hold, hein, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. C'est ça. Chez ULA, ils font la même chose. Enfin, ULA, United Launch Alliance, pour ceux qui connaissent pas. Delta qui fait brûler ses fusées au décollage. Delta 4 Heavy. Ah, on a une nouvelle commentatrice qui est Chloé Song, qui s'occupe, qui est ingénieur logiciel chez Astra. Donc il a s'occupé de la partie certainement ordinateur de bord des fusées. Ils ont des jeunes salariés quand même hein, chez Astra. Oui, c'est un peu start-up, quoi. Oh, c'est comme c'est chez SpaceX, hein, ils ont tous entre 20 et 30 ans. Chez SpaceX, chez Rocket Lab. C'est de l'oxygène qu'on va s'échapper. Oui, enfin, c'est des ergols, c'est pas du LOX. Comme... Oui, c'est surtout du LOX en fait hein, qui s'échappe. L'oxygène liquide très froid. On aura encore le hold à 14 minutes. Chut, Benoît, chut. Je reçois de Nouvelle-Calédonie. Salut, Malia. Le son du booster perturbe les ondes radio, demande Exitic. Par rapport à ce que tu disais, Marco. C'est un peu... Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est pas tellement le son. C'est, si vous voulez comparer, c'est un peu comme la rentrée dans l'atmosphère. Dans la rentrée dans l'atmosphère... Ça va tellement vite, il y a tellement de chaleur, etc., qu'aucune communication est possible. Là, au moment où le premier étage atterrit, on a une communication, mais qui est très, très perturbée, on va dire, à l'approche, à l'impact du premier étage. Là, j'aurais dit la vibration aussi, comme Even. Ouais, aussi. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en pleine mer. On serait à côté d'une antenne 5G. Bon, c'est bon, il n'y aurait pas de problème. Hein. Donc, Mais là, on est quand même à 500 kilomètres des côtes. Mais après, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quelques secondes. Hein. Une fois que le premier étage a atterri, 3-4 secondes après, l'image est là. On a l'image, ouais. C'est vraiment de l'instant T. Hein. Bon, un peu grossièrement, faut le comparer à une rentrée atmosphérique. Hein. Dès que ça commence, bah... Donc, c'est tout à fait habituel et normal qu'on ait jamais un flux correct à ce moment-là. Ceux qui bidouillent un peu la radio, etc., peuvent très facilement comprendre. Et puis il y a le fait également, comme tu dis, hein, qu'on est en pleine mer. Je vous rappelle que la Terre est ronde, hein, désolé pour les platistes. Et donc on a un effet également de radio. Et ce qu'on appelle également, et c'est Alex, tu connais bien, l'effet Doppler, qui se traduit également aussi bien par le son que par les communications. C'est quand le son, comme quand vous voyez une voiture, par exemple, un camion du SAMU ou les pompiers passer, ce ne sera pas le même son avant qu'il vous passe qu'après qu'il soit passé vers vous. Et pendant qu'il passe. Voilà, c'est exactement le même principe. Ça doit quand même être mieux de bosser à Boca Chica plutôt qu'au fin fond de l'Alaska. C'est vrai qu'il fait meilleur au Texas. Antenne SAT et non pas 5G, désolé, un seul degré vertical horizontal, pas perte de signal. Et on est toujours sous 30 minutes. Ah, normalement, dans une minute, on devrait avoir le hold qui... On va regarder Twitter en alerte. Ouais, je vais regarder aussi. Il n'y a pas de nouveau tweet de mon côté. Salut la team, salut Sam. Salut les gars, les filles, je vous suis depuis quelques jours. Très bonne ambiance, calme, cool, reposante même. Merci pour votre engagement et votre connaissance bien partagée. Merci à toi, JP et moi, pour ton message. C'est plaisir. Bien dormi, non, pas assez. Je sais pas si tu l'as fait, toi, Alex. Mais moi, je me suis inscrit, on va dire, sur la newsletter de Astra.
Donc, ce qui fait que même si je rate un tweet, en fait, dans l'instant T, je reçois un email d'Astra qui, bon, c'est pas forcément du direct direct, mais je reçois quand même un email d'Astra qui me tient informé de ce qui se passe. La newsletter? Il y a une newsletter. Alors, sur Twitter, généralement, quand tu cliques sur, quand ils te disent tu peux suivre la webcast sur NSF, quand tu cliques sur ça et que tu acceptes, tu sais, quand tu as le message, tu peux utiliser les images de NSF si tu marques que les images viennent d'eux, tu peux t'inscrire en dessous sous quelque chose, et en fait, c'est la newsletter de Astra. Envoie satellite, ça envoie une charge d'essai pour la Space Force américaine, ça. Bonjour à tous, bonjour à tous, pardon, je viens de tomber sur vous. Bah, bonjour, c'est Bou, n'hésite pas à t'abonner hein, si tu ne connaissais pas notre chaîne. Voilà. Tu pourras suivre ici tous les événements spatiaux retransmis en direct, ainsi que des récaps d'actualités spatiales et bien d'autres contenus. C'est le Lex, comment ça va et toi, réflexion? Bon, par contre, le compte à rebours est pas reparti, ça c'est dommage. On s'attendait à ce qu'il reparte, et il est pas reparti, c'est dommage. Moi, je suis assez surpris, je sais pas ce que t'en penses, Alex, que on n'est pas beaucoup en France à diffuser aujourd'hui ce lancement alors qu'on est début du week-end. Je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus. Hein. Bah ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, les vrais passionnés sont là. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, bah bien sûr. Mais je suis un peu surpris quand même. Et je suis sûr qu'à contrario, côté américain, il doit y avoir beaucoup de concurrence. Je sais pas ça. Bon, on n'a pas d'infos, le compte à rebours est pas reparti, c'est relou. Dabastra ne tweet pas. Pour changer. Alors, il y a Tournelis, un de mes modos, qui me dit peut-être que les diffuseurs ne croient pas au décollage aujourd'hui. Ah bah dis Ça, donc, c'est. c'est une super nouvelle ça. S'ils C'est vachement rassurant ça. ne croient pas en leur propre projet, c'est clair que. Bah non, parce que les diffuseurs c'est Dada Space Flight, c'est pas Astra. Bon, je pense pas Astra que NSF se c'est. déplacerait s'ils pensaient que ça décollerait pas. Oui, c'est clair. C'est C'est quand même clair. leur réputation qui rentre en compte aussi, parce que si ils alertent les gens à chaque fois sur un direct et que rien ne se passe, on va dire il n'y a que SpaceX qui peut s'offrir ce luxe. Bonjour à tous, c'est quoi ce lancement? Bah, Sagem, c'est un vol de test de l'entreprise Astra avec sa fusée Rocket 3 qui doit partir de Kodiak en Alaska depuis le pad LP3B qui devait partir à 6h30. Pour l'instant, il y a un hold et qui doit emporter en orbite basse à plus de 500 km d'altitude une charge d'essai pour le compte de la Space Force américaine dans le cadre de la mission STP-27 AD2. Voilà. Bon, il n'y aura pas de lancement. Bah écoute, j'espère que si. Ça pue l'annulation, cause trop de vent. Bah pourtant, on a vu moins de vent qu'hier. Hier, ça tremblait bien quand même. Moi, sur le sondage, Ah, les gens sont positifs maintenant, ils pensent que ça va partir. 62%. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire, hein. Mais là, c'est relou parce qu'on a un hold. C'est vraiment chiant. Il y a Arnaud qui m'envoie un message, il me dit, je fais des infidélités à Alex, je suis venu voir ce qui se passe chez Marco. Arnaud Petit. T'en veux pas, Arnaud, t'inquiète. Je t'en veux pas. T'es dénoncé, Arnaud. Marco est un très bon collègue. On se connaît depuis enfin, pas plus quelques temps, mais depuis quelques semaines au moins. Et Oui. voilà, on se connaît, t'inquiétez pas. Ah, ça, c'est quand même une drôle de margarine. Ok. Merci, Cebu, pour ton abonnement. Merci. Bonjour Alex, salut Alain de la page fan de l'ISS hein, sur Facebook. N'hésitez pas à aller suivre sa page, il y a une très jolie page. Il y a Ah, plus bah tiens, j'irai de. la voir tout à l'heure. Bah, il a plus de 160 000 personnes qui le suivent sur sa page. Hein. Donc C'est bien ça. c'est lui qui nous. C'est grâce à lui qu'on a eu bah, beaucoup de personnes sur les retours, sur les lives SpaceX. C'est très bien, Entre il faut autres, être également O2. être un grand passionné pour tenir une page comme ça d'information chaque jour. Ouais, c'est clair. Ah, puis Alain, Avant, là, j'en hein. avais une, moi, qui parlait d'actualité, je crois que je devais avoir 130 000 abonnés, je l'ai vendue, hein, la page. Oh! Et c'était un sacré boulot. Punaise. Ouais, mais bon, ça faisait 10 ans que je l'avais. Il y a un moment, à partir du moment où tu fais un projet et
quand ça fait vraiment des années que tu le tiens, t'évolues, tu grandis et t'as plus forcément les mêmes ambitions qu'au début. Il y a Benoît qui me précise aussi que hier, le public, hein, donc les viewers, étaient positifs au lancement et que ça n'est pas parti pour autant. Il n'a pas tort. On me demande si c'est la même fusée, c'est la fusée d'hier. Oui, c'est la même, hein. Elle a pas bougé de son pad. C'est pas un Pokémon qui a évolué. C'est ça. Ou ils en ont pas remplacé une par une autre. Moi, tu vois, j'aurais plutôt une future question donc, pour le New Space, à quand une fusée 100% imprimée en 3D? T'imagines? Bah, tu vas en avoir une avec Terran One de Relativity Space. Voilà. Entièrement imprimée en 3D? Oui. Bah, ça va être un sacré truc, à mon avis. Ça, on en a parlé dans un des récaps qu'on a sorti. Je t'invite à aller voir. Ouais. Je pense le premier récap. Alors, sur le premier récap, on en avait parlé. Je pense pas qu'elle soit réutilisable, par contre. Je crois pas non plus. Et ça va être lancé depuis la Floride. Donc ils ont déjà leur pas de tir et tout. Hein. Ils devaient conduire à un moment un test cryo de leur lanceur, d'ailleurs, mais je sais pas où ça en est, ça. Il est où, Marco? Il est avec moi en vocal, hein, mais il est aussi en live sur sa chaîne. Oui. Je m'abonne alors avec un grand plaisir. Merci de diffuser, c'est rare qu'on trouve un travail de qualité. Merci, c'est beau pour ton message. C'est chaud pour la team, la survie de cette boîte est de plus en plus compromise. Donc là, il parle d'Astra. Prions pour eux ou croisons les doigts, c'est bien triste s'ils échouent encore. Ouais, c'est clair. Super Page fait partie de tes abonnés. Coucou Alain. On a Dame Dame, moi, sur mon chat qui me dit est-ce que Astra a d'autres projets que leur Rocket? Je suppose. Pour l'instant, non. Ouais, je suppose que oui, vu l'introduction en bourse. Là, on a une belle vue rapprochée du lanceur, là. C'est cool. Ouais. Oui, je pense qu'à ça. De toute façon, quand tu es en bourse, tu dois avoir un projet de développement comme toute entreprise. Hein. Tu ne dois pas te reposer sur tes acquis, tu dois être constamment en évolution. Et Astra, niveau communication, c'est pas ouf, mais il faut savoir quand même que leurs principaux clients, c'est l'armée américaine. On peut comprendre quand même qu'on n'ait pas trop d'informations sur ça. Toulou, je me lève, est-ce que j'ai loupé un truc? Du tout, Patrick, tu n'as rien raté. On aura le décollage en 2022. À ce rythme-là, ouais. Possible. À ce rythme-là, c'est bien parti. John Krause, our good friend Brady Keniston. If you're familiar with NSF's coverage, you've seen their names before. We've seen them out there in Kodiak. Bon, ça fume bien là, ça vente bien. Allez, 30 minutes, on est toujours en attente de la reprise du décompte. Yeah, so we do have a flight termination system on the rocket. We'll go through our mission control operators and one of those folks, Lucas Hundley, is our flight safety. Je vais voir, moi, la semaine prochaine, je vais peut-être démarrer un peu la série que je t'avais parlé sur les blobs, l'expérience de Thomas Pesquet. Ah, c'est cool, ça. Ça fait un petit moment que je les ai toujours pas réveillés, les pauvres. Peuvent rester longtemps en sommeil comme ça? C'est... Oh, ce que je vais dire, c'est pas scientifique, hein, mais on va dire que c'est un peu immortel. On va dire, grosso modo, tant que tu leur donnes à manger, tant que tu leur donnes de l'obscurité, parce que c'est quelque chose qui ne supporte pas la lumière, ça vit. C'est comme un Tamagotchi. Moi, quand j'en parle à ceux qui sont avec moi, je leur dis c'est comme un vrai Tamagotchi. En fait, c'est pas un champignon, c'est pas toxique, c'est pas ce que vous voulez. Hein, ça ressemble un peu à de la mousse que vous voyez sur les arbres, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Ouais, comme du nickel un peu. Voilà, du lichen, pardon. Lichen. Et en fait, tant que vous lui donnez à manger, ça mange à peu près tout. Hein, ça aime surtout les flocons d'avoine, ça mange également des légumes, un peu de tout. Tant que vous lui donnez à manger de l'obscurité, ça va grandir, ça va évoluer. À partir du moment où il n'y a plus d'humidité et que vous la mettez à la lumière, ça va reprendre sa forme initiale et c'est, comme on va dire, ça va se mettre en sommeil. Et vous pouvez normalement le réveiller quand vous en avez envie. Il y en a qui se réveillent plus vite que d'autres, mais normalement c'est un peu immortel. Bon, c'est pas immortel sur la durée, hein, ça vit quand même quelques années. Ça peut être intéressant à étudier. De toute façon, il y a une page Facebook qui s'appelle Élève, comme un élève de collège ou de lycée, Élève ton blob, qui est sur Facebook et qui est tenue par le CNES. Notamment Audrey Dussautour, peut-être que tu connais ce nom-là. Oui, bah, Jérôme m'en avait parlé, c'est celle qui est à l'origine de cette expérience. Hein. C'est ça. Et donc c'est tenu par le CNES hein, sur Facebook, et il y a beaucoup de professeurs et d'élèves qui partagent leur expérience dessus.
Tout à fait. Next question. Je vais revenir un peu aux Tenez, questions du tien d'aujourd'hui. Ils sont flarmés, ils veulent envoyer un nouveau SpaceX, ils vont envoyer quoi déjà? Alors, j'ai pas compris ta question, Sam. Et là, c'est une charge d'essai qui est envoyée. Pourquoi ça a été annulé hier? Bah, pour raison technique. Moi, je pense que c'est lié au vent et d'autres facteurs, mais bon. Pourquoi le compte à rebours a arrêté? C'est normal, parce qu'on remplit le carburant, les amis. Parlez-vous aussi de notre cher Elon Musk? Oui, on en parle sur la chaîne Daily Recap. Astra en bourse, vendez tout. Bonjour équipe, salut Stéphane. Je te laisse continuer Marco, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bah tiens, j'allais dire parce que j'ai quelques viewers sur mon live. Je vais leur montrer à quoi ça ressemble, je t'enverrai une photo si tu veux, des blobs. Donc ça se présente vraiment comme un morceau de papier où on a des petites taches dessus. Alors, moi avec le fond vert, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, ça se présente sous forme de petits bouts de papier avec des petites taches. Et ça grandit, ça se développe au fur et à mesure. Ça peut atteindre quelle taille cet organisme? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Ça peut atteindre quelle taille cet organisme? Ah mais c'est comme un... J'ai envie de vous dire, c'est comme une tortue, pour ceux qui ont déjà eu des tortues d'eau. Ça s'adapte à son environnement. C'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit, tant que vous lui donnez à manger et les conditions nécessaires pour son évolution, ça va évoluer si vous mettez votre blob dans ce qu'on appelle une boîte de pétri. Hein, donc ceux qui font un peu de science, savent, sur ceux qui sont au collège savent de quoi je parle. C'est des petites coupelles en plastique. Ça peut tenir aussi bien dedans que si vous avez un aquarium, ça peut prendre tout l'espace. Hein, ça évolue constamment en fonction de la nourriture que vous lui donnez. Après, je le rappelle, c'est pas toxique, c'est pas non plus dans la classe des champignons. Et vous pouvez, le CNES, si vous pouvez participer à ce genre de choses, bon là, l'expérience est terminée, mais si vous allez sur le CNES, vous pouvez participer aux prochaines expériences, et par exemple, là, ceux qui ont voulu participer ont reçu chez eux leurs échantillons de blob et toutes les instructions nécessaires pour pratiquer l'expérience. Vous recevez ça gratuitement, à condition, bien sûr, de partager le résultat de vos expériences après. Mais ça prend l'environnement que vous lui donnez, en fond, si vous lui donnez les conditions nécessaires à son évolution. On n'a pas d'infos, hein, c'est incroyable, quoi. Tiens, je vais t'envoyer une photo, je vais te montrer à quoi ça ressemble comme ça. Right now we've got a bit of a fogged out view from one of the first stage cameras looking down the side of the rocket, but there they are, hopefully looking to come back to those views once the rocket is flying through the air, hopefully later tonight. There's one. On a des vues intérieures, regarde. Enfin, on a des vues embarquées, regardez. Ça, c'est cool. Caméra embarquée. Je ne comprends pas l'entrée en bourre. L'armée veut envoyer quoi comme ça dit? C'est une charge d'essai, ça, moi, on sait pas plus. C'est top secret confidentiel. Je ne comprends pas l'entrée en bourse d'Astra, sachant que jusqu'à présent cette société n'a rien de pérenne. Apparemment ils finissent le chargement. Bonjour messieurs, mesdames et autres, salut Fred. Courage, bah ici. Merci Alain. Et ah, tiens, j'en termine sur les blobs. Si certains d'entre vous sont intéressés par le faire ou non peut-être, pour les réveiller c'est tout simple, hein, là je t'ai envoyé la photo. Il suffit que vous preniez votre échantillon de blob, que vous le mettiez dans un endroit, donc du coup, dans l'obscurité. Vous lui mettez un peu d'eau dessus, un peu de nourriture, et il devrait commencer à se réveiller, si tout va bien, dans les jours qui suivent. Voilà, ouais, je le vois, c'est marrant. Et en fait, si tu veux, le principe de l'expérience pour les jeunes, hein, c'était surtout pour les collégiens et les lycéens, c'était qu'on lui mette de la nourriture différente à chaque coin du récipient, savoir qu'est-ce qu'il aime. Et par exemple, tu vois, on s'est aperçu que c'est pas un champignon, hein, je le précise encore, mais c'est un organisme qui n'a pas de neurones. Il est unicellulaire. Voilà, et par contre, il y a un scientifique qui a fait une expérience, il a conçu un récipient en forme de labyrinthe, donc avec au bout de la nourriture, et même quand cet organisme n'est pas de neurones, n'est pas entre guillemets de quoi réfléchir, il a quand même trouvé le chemin le plus court pour aller manger. Il y a beaucoup d'expériences comme ça, et c'est vraiment intéressant en fait. Malgré tout, il a pas de cerveau, mais il est intelligent quoi. C'est ça, bah parce qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est manger. Alors, par différents moyens, il va trouver directement le chemin le plus court. Il est attiré par la nourriture, donc... Voilà. C'est assez rigolo, assez sympa à faire. Faut être patient, après. Ok, alors, puisque l'armée les soutient, leurs échecs sont peut-être pas si graves. Il doit y avoir un plan de lancement ultra secret, système de défense spatiale miniaturisé, vu la taille de la fusée. Bon, demain, encore là, sinon, oui. Bah, on va être encore là demain, ça continue.
J'ai un beau petit message de Arnaud qui dit plus sérieusement, Thomas Pesquet a ouvert la porte des étoiles. Ça, les fans de Stargate vont adorer cette phrase. Hein. Au maximum de Français, et depuis ces deux missions, je m'intéresse beaucoup aux différents vols spatiaux. C'est vrai que Thomas a redonné intérêt au peuple français à s'intéresser à l'espace et également à la protection de la planète. Ouais, et ça a été mon cas, moi aussi, hein, il y a 5 ans. J'ai eu un déclic il y a 5 ans, quoi. C'est ce qui m'a amené et ce qui m'a conduit à lancer la chaîne après. Il y a Tournelis, donc un de mes modos, qui fait aussi une bonne réflexion au sujet des blobs, qui précise, si on met le blob dans une boîte de pétri, c'est une coupole transparente. Hein, il cherche à s'enfuir dès qu'on l'oublie et il se met à la recherche de nourriture. Il faut quand même le surveiller, le petit. Hein, il est taquin, quand même. Il est malin. Ah, voilà. C'est une vue intérieure, c'est pour mieux voir l'autodestruction à 50 km. Oh, ça va fumer. Des nanosats comme ceux que Thomas essayait à bord de l'ISS. À peu près. Astra est une énième entreprise privée. Oui. Ça mange quoi le blob, on me demande. Ça mange de tout. Et moi, on me demande, est-ce que le blob se trouve à l'état naturel dans les forêts? Oui, ça peut se trouver. Alors, souvent, on le confond avec la mouche. Je suis pas encore un grand spécialiste de ça, mais oui, ça se trouve, bien sûr, à l'état naturel. Ça mange de quoi? Son plat préféré, c'est les flocons d'avoine. Et comme j'ai dit, vous pouvez très bien lui donner des légumes, des fruits. Il mange pratiquement de tout. Bien sûr, il a ses nourritures favorites, mais ses flocons d'avoine sont son plat préféré. Vous pouvez lui donner de la viande crue, hein, il va aller le manger. Ça réagit, si vous voulez, comme un champignon, sauf que ça n'en est pas. Incroyable, quand même. C'est vachement intéressant, et justement, Thomas a réalisé cette expérience que je m'apprête à faire, et que des milliers, il y a au moins 5000 établissements scolaires en France qui l'ont fait. Thomas a réalisé cette expérience en apesanteur, bien évidemment avec des résultats différents, mais c'est lui, on va dire, qui a popularisé cette expérience. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre la page Facebook, donc Élève ton blob sur Facebook, tenu par le CNES. Il y a notamment des professeurs, beaucoup de vidéos, beaucoup d'explications. Vous avez également les procédures pour faire l'expérience. Donc ça, c'est ta chaîne, Alex, et Marco, c'est ton collègue. Marco, il a une chaîne YouTube aussi. C'est un collègue YouTube. Voilà, c'est un collègue, c'est un bon collègue. Avec qui on s'entend bien avec l'équipe, enfin avec lequel on s'entend bien avec l'équipe. Et il n'y a pas d'embrouille entre nous, enfin on fait nos contenus chacun de nos côtés, et des fois on est amené à se retrouver, donc c'est cool. Le plus important, quand je suis tout seul, j'aime bien être accompagné, donc des fois je demande à Marco, ça te dit qu'on live? Voilà, c'est ça. C'est très bien comme ça. Salut Chris. Je vais pas m'étendre plus sur le blob, hein, parce que j'ai pas encore démarré l'expérience. Je m'y intéresse, mais je suis pas du tout un grand spécialiste. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas dangereux. Par contre, faites attention. Alors, si vraiment là, c'est un vrai conseil, si vous voulez démarrer l'expérience, un blob, ça coûte rien. Vous allez trouver beaucoup de kits sur Amazon ou sur Internet. Normalement, il y a forcément un établissement scolaire près de chez vous. Si vous allez demander, ils peuvent vous en fournir. Mais attention aux arnaques sur Internet, hein, parce que forcément, tu dois savoir ça, Alex. Hein. Dès quelque chose est populaire, beaucoup de gens en profitent pour arnaquer les gens. Ouais. C'est un effet de mode. Voilà. Contactez, allez sur la page Élève ton blob, demandez aux professeurs, demandez à la communauté qui est dessus. Ça vous évitera de perdre votre argent pour rien sur différents sites Internet. Même Amazon, hein, je le mets entre parenthèses. Ne vous ruinez pas pour ça, ça ne coûte absolument rien un blob. Achète quelque part le blob, Pocho nous demande. De quoi? Où est-ce qu'on achète le blob, Pocho nous demande? Alors c'est pareil, les blobs, c'est un micro-organisme. Donc il y a beaucoup, si tu veux, il y a le blob américain du Nord, il y a le blob américain du Sud. Enfin tu vois, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de sortes différentes. Et si vous voulez réaliser l'expérience du CNES, il faut acheter un certain type, il faut en avoir un certain type. Moi, par exemple, je ne les ai pas payés. Tu vois, par exemple, l'école avec qui j'ai participé, avec qui j'ai rencontré Michel Viseau et Philippe Claire, je leur ai demandé, vous avez des blobs, est-ce que je peux en avoir? Ils m'ont donné gratuitement. Oui. Vous avez forcément un établissement scolaire près de chez vous qui fera la même chose. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur la page Élève ton blob. Donc, élève comme un élève. Mais ça coûte absolument rien. Un blob, là, j'en ai 5 dans une pochette. C'est sur un bout de papier, donc du coup.
C'est même pas un centimètre de long, hein, le bout de papier avec le blob dessus. C'est vraiment rien du tout. Vous achetez un bout de papier avec une tache. Et ça coûte combien? Bah là, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des prix affolants. Hein. Ils peuvent t'en vendre pour 30 euros, t'imagines un peu, pour un bout de papier. Non, c'est pour ça, c'est vraiment rien du tout. Hein. C'est un micro-organisme, hein. C'est comme si vous achetez un petit champignon. Faut tout relativiser. Quel est l'objectif du lancement de ce lancement à Satwiss? C'est une charge d'essai, Fred. Bon, quand est-ce que le compte à rebours reprend là? Parce qu'on s'ennuie. Alors, je précise parce que tout à l'heure j'ai dit le blob cherche à s'enfuir d'après ce que m'a dit Tournelist. S'il s'échappe, comment faire? Rappelez-vous une chose, le blob déteste la lumière. Donc, s'il s'échappe et qu'il y a de la lumière, il reprend sa forme initiale et se met en sommeil. C'est ouf. Hein. Après, ouais, je sais que là, j'en ai parlé, donc peut-être beaucoup seront intéressés. Vous pouvez l'acheter sur Internet, hein. Je vous dis pas que c'est de l'arnaque, je dis juste que c'est très très cher pour ce que c'est. Je préfère que les gens aillent se renseigner sur la page Facebook, il y a forcément un établissement scolaire près de chez eux qui en ont des tonnes et qui peuvent en avoir gratuitement. Je préfère vous dire ça que de vous dire allez acheter sur Amazon. Un hold qui dure par rapport à hier. Pour les blobs, Alex, je peux te donner deux boutiques pour l'achat. Là, me dit. Alors moi, je suis pas intéressé personnellement, mais peut-être que ça peut intéresser les abonnés. Donc n'hésite pas. Enfin, si les abonnés sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Alain pour vos achats. Et ça vient d'où ce nom blob? Pourquoi on l'a appelé blob? D'où ça vient? Ça, c'est une bonne question, tiens, je vais y répondre. Et justement, j'ai Laurent, donc, de la société Astronomique Auboise, qui précise le blob, donc, alors, terme scientifique, donc, c'est Myxomycète, qui vit, du coup, dans les forêts, l'état naturel, on répond à la question de tout à l'heure, donc, comme tu l'as dit, être unicellulaire, qui peut s'étendre, vraiment, s'il a toutes les conditions nécessaires, sur des hectares. C'est vraiment quelque chose qui évolue tant qu'on lui donne à manger. Oh là là, oh là là. Après, c'est comme une forme de mousse, si tu veux. Imaginons, Alex, on est dans un milieu équatorial, donc milieu humide, où il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai envie de dire. Il a toutes les conditions nécessaires pour grandir, évoluer. Voir le reportage Blob, un génie sans cerveau. C'est vrai, il y a eu un film, un reportage qui a été fait, qui s'appelle Blob, un génie sans cerveau. Ah, ça peut être intéressant. C'est quelque chose, en fait, qui est connu auprès des scientifiques depuis très longtemps, qui a juste été popularisé pour nous, hein, j'ai envie de dire, être Thomas normal Pesquet, par hein. Thomas. Ouais. Voilà. C'est quelque chose de très connu dans le domaine scientifique. Ça sent le report. Bah, j'espère pas. Je vais essayer de vous trouver l'information. Sachez, les amis, ils ont encore 3 heures pour tirer, hein. Alors, le vrai nom du blob, je vais sûrement écorcher le nom, c'est le Firarum. Polycéphalum. Voilà. Pourquoi on l'a appelé blob? Je pense que c'est un raccourci de beaucoup de choses. C'est plus simple de dire blob que... Jean-Marc qui nous dit le nom blob vient d'un film japonais des années 50. Alors là, j'étais pas né. Mais peut-être que ça vient de là, du coup. Je sais pas si ça vient vraiment de là, le surnom. C'est comme il y a eu un film en 88, Romain nous dit le blob, échec commercial devenu culte avec le temps. Okay. Moi, ça me fait un peu penser à Flaubert avec Robbie Williams. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. C'est que je sais pas si tu as connu, tu étais peut-être un peu jeune, toi, Alex, le film Flaubert, du coup, avec Robbie Williams. Les plus vieux, ils reconnaîtront. Robbie Williams, c'était un scientifique qui avait créé un petit être gélatine verte. Mais j'en connais deux autres des Robbie Williams, c'est bon. Bref. Ouais. Parce qu'il va être chanteur et l'acteur, malheureusement, qui est décédé. Peut-être qu'il pourrait être la solution pour découvrir le secret de la matière noire. On va un peu loin. Je pense qu'il a quand même besoin d'atmosphère. Hein. C'est pas plus comme un tardigrame qui peut vivre dans des conditions c'est extrêmes. Sur le même... Tu fais bien d'en parler parce que c'est sur le même, enfin, entre guillemets, c'est sur le même principe de ces expériences. C'est vraiment étudier les conditions de vie que les organismes peuvent avoir à différents endroits. Ouais, on est sur le même type d'expérience. Et à quelles limites ils peuvent être soumis, voilà. Et jusqu'où ils peuvent... jusqu'à quelle limite, par exemple, limite ils peuvent aller. Je vais vous dire une bêtise, hein, parce que c'est pas du tout, je pense pas que c'est du tout un projet, mais imaginons qu'on découvre que le blob peut s'étendre, peut évoluer sur une planète comme la Lune ou comme Mars. Potentiellement, on pourrait peut-être utiliser cette fonction pour, au début, recréer une sorte d'écosystème sur une planète vierge. Alors, en commençant par une sorte de champignon, mais il faut bien commencer quelque part.
Tu vois ce que je veux dire ou pas, Alex? Ouais, Faut bien ouais. commencer quelque part, si. Puisque le blob, ça reste quand même quelque chose de vivant. Bien Même sûr. si ça n'a pas de cerveau, même si c'est tout ce que vous voulez. Donc si on arrivait par exemple à faire évoluer un blob dans un milieu hostile comme la Lune ou Mars, ça peut être un début à la création d'un nouveau écosystème. C'est ça qui intéresse en fait les scientifiques et surtout l'exploration spatiale. C'est recréer un écosystème pour que l'homme puisse y vivre après. Même s'il est différent de celui qu'on connaît. Est-ce qu'on a des infos sur Twitter? Ce serait bien que Astra nous tienne au courant. On a zéro news. C'est énervant. Ça fait déjà près d'une heure, enfin peut-être, je sais pas moi, 40 minutes qu'on a un on là. Ça commence à être relou. Je vais me remettre le live en temps réel parce que j'ai eu des petites coupures. De toute façon, t'as dû recevoir la photo que je t'ai envoyée, hein, je pense, Alex. Ouais, je l'ai reçu. Après, je vais arrêter d'en parler parce que moi, quand je parle d'un truc, je m'emballe. Mais c'est quand même un Ouais, je sujet vois très ça. intéressant. Ouh là, j'avais du retard, en effet. Voilà, donc j'ai Laurent qui me précise, Attends, merci Ratium. j'écoute juste ce qu'ils disent. Ouais. Bon, non, tu peux reprendre, vas-y. Non, je disais juste que Laurent, donc du coup, me Sure, précise que le blob so est quelque chose de terrestre et qu'il n'aime que la Terre pour l'instant. Alors, il a du mal à évoluer dans d'autres conditions. Le blob n'aime pas le sel, apparemment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un ami a un blob, pareil, il le nourrit, il évolue, grandit dans son environnement. Lui, il l'appelle son gosse, mais c'est tout pareil. C'est Le comme un blob, Tamagotchi. C'est ouais. comme un Tamagotchi. Que tu élèves, quoi. C'est ça? Je Le rappelle, blob, c'est pas dangereux. Il ne faut pas donner un gamin de 2 ans. Mais... on a une question au troll. Le blob aurait-il la capacité à enfin faire partir la fusée de... Faut bien combler avec autre chose, du coup, voilà, donc. Non, mais c'est intéressant. Et par exemple, bah, Udrey du Sautour, tu connais peut-être de nom justement Alex, Ouais, tu peux j'en la parle. contacter via la page Facebook, du coup élève ton blob. Je fais pas du tout partie du programme, hein, j'ai pas de C'est publicité à pas faire. de la promo. Hein. Non, 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 non. Bah, de toute façon, c'est l'éducation nationale. Comme ça. Personne ne vend rien du tout. Hein. C'est pour ça que je vous déconseille fortement de dépenser très cher pour acquérir ce genre de choses. N'oublie pas que le Flubber était comestible. Lui, une bonne gelée, miam, maintenant j'ai faim. Se nourrir le blob serait bien. Je sais pas si ça a un bon goût. Erreur de ma part, le film n'était pas japonais. Ok. Voilà, Alain vous a mis un lien de la boutique pour acheter des blobs sur sa page Facebook. N'hésitez pas à aller la suivre. Eh ben, merci alors. Merci beaucoup alors. Moi, je donne rien parce que moi, je les ai eus, on va dire, gratuitement. Et j'ai pas envie de donner des mauvais conseils à des gens alors que je l'ai pas fait moi-même. Je vous en parle, mais voilà, pour l'instant, je vous dis juste d'aller sur la page Facebook. Samy qui dit le Starship aura atteint l'orbite avant Astra. Ok, c'est vraiment, c'est possible en plus. Si Astra ne part pas aujourd'hui, comment fonctionnent les autorisations de lancement? Et ben en fait, ils doivent redéposer, redemander. Ils doivent redéposer un TFR et le faire valider par l'AFA. Donc l'AFA, c'est la Federal Aviation Administration. Et ensuite, l'AFA doit valider ce TFR. Sauf qu'aujourd'hui, si ça dépasse 9h30, et ben ils peuvent plus la faire partir aujourd'hui et ils doivent redéposer un TFR pour demain ou l'autre jour. Sinon, comment on est arrivé à parler du blob? Et ben je sais pas. C'est Marco qui en a parlé. Mais c'est très intéressant. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'étais en train de lire un message. Romain nous dit, sinon, comment on en est arrivé à parler du blob? Eh ben, on en est arrivé, bah parce que j'ai dit que j'allais commencer, ça fait des semaines que j'en parle, que je vais prendre le temps la semaine prochaine de commencer une série de vidéos là-dessus. Du coup, voilà. Et ça me refait penser à Thomas Pesquet qui a popularisé ça, du coup, cette année sur les réseaux sociaux. Moi, la plus grande particularité du blob est que si on le fait mourir, on peut le laisser des années, puis avec un peu d'eau, il revient à la vie, Voilà. mais jeune, je me trompe. Alors, c'est ce que je disais.
on dit qu'il est immortel, il a quand même une durée de vie, mais ça va sur des dizaines d'années normalement. Enfin, je suis pas spécialiste, donc je m'étends pas là-dessus. Mais il ne meurt pas, il est en sommeil. S'il a de la nourriture, comme tu l'as dit, celui qui a fait l'expérience, il prend tout l'espace environnement que vous lui donnez, tant que vous lui donnez les conditions nécessaires. Dès qu'il les a pu ou qu'il a de la lumière, il va commencer à reprendre sa forme initiale. Voilà. Merci Arnaud en tout cas pour tout. Mais alors après, soyez pas déçus si certains tentent l'expérience. J'ai beaucoup de retours comme quoi certains blobs mettent beaucoup beaucoup de temps à se réveiller. C'est pour ça que moi j'ai demandé un échantillon, on m'en a donné 5. D'accord. Il peut y avoir pas des ratés, mais il y en a qui sont plus feignants que d'autres. Simplement. Alors, et merci Laurent pour l'information. Vous savez que Thomas Pesquet, là c'est moi qui vais vous dire ça, Thomas Pesquet a réalisé à peu près 200 expériences au bas mot. Et le blob, justement, Laurent nous précise que le blob était l'une des 12 expériences du CNES que Thomas a réalisées. Le CNES personnellement avait 12 expériences à faire et le blob en faisait partie. Oui. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'il dépressurise, non? Ou alors c'est le débordement du remplissage. Je pense que c'est le débordement. Là, il y a sa veine à fond, là. À mon avis, les ergols sont chargés. Si le fusil décolle, il manquera plus qu'il explose. Et le blob est-il où il pourrait être dangereux pour l'homme? Très bonne question, Marco. C'est Bou demande. Est-ce que ça pourrait être dangereux pour l'homme? D'après ce que je sais, donc voilà, comme on l'a si bien dit, ça ne fait pas partie des champignons. Par exemple, il y a Dame Dame sur mon chat qui me dit, j'ai les mis, bon bref, le nom du club, ne sont pas rattachés aux champignons car ils n'ont pas d'ancêtres champignons vrais. Mais étonnamment, ils utilisent un cycle sexuel proche des champignons avec des créations de spores. Ça se rapproche beaucoup du champignon, ça n'en est pas. Donc, ce qui veut dire que dans un premier temps, ce n'est pas toxique. Bon, bien sûr, faut pas s'amuser à le manger. Hein. Je vous conseille pas de le manger. Mais ça va pas s'attaquer à vous. Par contre, une chose qu'on précise pas, c'est que potentiellement, ça peut créer des allergies. Tous ceux qui sont sensibles au pollen ou autre, je sais pas, peut-être qu'on peut avoir des réactions allergiques. Mais c'est pas dangereux dans l'absolu, tant qu'on fait pas n'importe quoi avec. Salut Pierre de NASA Space Flight. Bienvenue à toi sur le chat. Pierre qui est notre modérateur. Ça y est, j'ai enfin un modérateur qui est là, moi. J'ai Laurent, du coup, qui me précise, qui me confirme, le blob est inoffensif. Mais ne faites pas n'importe quoi avec, ne le mangez pas, par exemple. Ça a l'air bête comme ça, mais je sais qu'il y en a quand j'ai essayé. Alors, Ghostpage, j'ai vu ton message avant que tu le retires, petit malin. Il n'y a pas de compte à rebours. Si, tu peux voir qu'il y a un compte à rebours, mais il est bloqué. Voilà, parce qu'on est actuellement en hold et ça fait plusieurs dizaines de minutes qu'on est en hold maintenant, ça commence à être long. Merci Laurent pour tes informations. Non, ce n'est pas. C'est inoffensif. Et par exemple, toi, Alex, qui est dans la région parisienne, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui participent à cet événement et tu pourrais facilement en acquérir hein, si tu voulais. Ouais, mais c'est pas mon but, je t'avoue. Mais certainement, ce qui serait intéressant, c'est savoir si les écoles près de chez moi, tu vois, ont mené l'expérience. Officiellement, il y a eu plus de 5 000 hein, établissements, pas élèves, hein, 5 000 établissements scolaires en France qui ont fait cette expérience, qui se sont inscrits dans l'expérience du CNES. C'est fou. Hein. Et comme je l'ai dit, vous pouvez être, entre guillemets, des cobayes d'expérience du CNES. Vous avez juste à vous inscrire sur le site internet et quand une nouvelle expérience arrive, vous pouvez décider de participer et vous, du coup, vous, indirectement, vous participez à l'évolution du programme spatial. Hein. Puisque ce qu'on va le demander à Thomas ou à d'autres hein, de l'Agence spatiale européenne plus tard, on le demande également sur Terre, puisque le but c'est de comparer les expériences dans zéro gravité et l'expérience avec gravité. Donc dites-vous, ce que font les astronautes dans l'ISS, on le réalise également. Ah, le compte à rebours est reparti. Le compte à rebours est reparti, les amis. C'est plaisir. On le fait également sur Terre. Voilà. Donc ça va partir à 7h04, si tout se passe bien. Désolé, il vient de me réveiller. T'inquiète, Pierre. Ça fume beaucoup, je trouve. Oui, on a un gros vent là. S'il me semble bien, les blobs, j'en ai tous les ans sur mon bois de chauffage que je laisse un an en forêt. C'est possible. C'est possible. Quelle altitude d'orbite sera visée par le fusil Astra? L'altitude 500 km et l'orbite basse. Laurent qui me dit blob dangereux, par contre, pour les flocons d'avoine.
J'ai pris le live en cours. C'est qui ce sympathique Marco? Bah, c'est Marco de la chaîne Marco Maldini qui live aussi des événements spatiaux. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne. Et voilà. Allez, ça fait plaisir. Là, on est reparti. Tango and AV1 rocket support cart, please enable the FTS. FTS is enabled. Allez, on est à 28 minutes du coup du lancement, en espérant qu'on n'ait pas du coup un autre hold. Et comme l'a dit si bien Alex hier, jamais 203, pour l'instant on en a un. Ouais, donc il faut pas que ça arrive à deux. Voilà. Il faut que ça reste comme ça jusqu'au bout, on espère que ça va partir. C'est ça. Comme ça, moi je vais me reposer un peu, parce que cet après on a un autre live à couvrir. Je vous le rappelle. Désamarrage du sinus. Tout à fait. Qui restait quand même attaché 3 mois à l'ISS. Hein, dont on avait couvert le l'amarrage à l'époque, le lancement, la capture, l'amarrage. Je suis en train de regarder les informations que j'ai, parce que normalement on devrait avoir un déplacement de Crew 3. Mais à cause de ce qui s'est passé avec nos amis russes, on n'a toujours pas de date du déplacement. Bah, je vais regarder, moi. Parce que normalement, Crew 3, du coup, désamarrage du poste de jonction PMA2, IDA2, pardon, du module Harmony pour se réamarrer au PMA3, IDA3, Zénith. Laissé vacant après le départ de l'USCV2. Et moi, je l'ai même pas dans les événements de Next Space Flight, pour te dire, ce truc-là. Il n'y a plus rien pour l'instant. Ouais. Il n'y a plus rien. C'est pas au programme. Bonjour à tous, bonjour Alex, salut Régine. J'étais pas de nouvelles de la tentative de récupération de fusil électro que c'était passé finalement, ils l'ont récupéré, hein. Fadal, ils l'ont récupéré. Bonjour à toutes et à tous, j'arrive au bon moment. Ouais, t'arrives au bon moment, Jean-Pierre. Bon, on espère, on croise les doigts que le compte à rebond ne s'arrête plus. Mais déjà, c'est mieux parti qu'hier, hein. Hier, on avait attendu plus longtemps. Hier, on avait attendu 3 heures pour rien, rappelez-vous. Ça. Oh, on avait passé un bon petit moment quand même. Ouais, c'était bien, moi j'ai kiffé. Ne nous mets pas la loose, Marco, je voulais aller me coucher, j'ai pas encore dormi. Non, ça, non, non, ça va décoller. Allez, allez, allez. Ça va partir. Ça va le faire là. Ça devrait le faire en théorie. Ether, please provide your late load config. Ether, late load config. Pour l'instant, lancement à 7h04, les amis. Marco qui met son petit message. Ouais, toujours. Toujours. Oui. Allez, on y croit là. GNC Kodiak launch config. Successful load. All right, Tango in VB1, turn on off PDBs, please run. Il y a Arnaud sur mon chat qui dit: pour revenir à la fusée Astra, j'ai entendu parler orbite basse. Quelles sont les trois orbites pour les satellites en distance? L'orbite basse, je crois, Alex, si je ne me trompe pas, on peut aller jusqu'à 2000 km. À ouais, quelque près. Chose comme ça. Après, vous avez l'orbite moyenne. Près. Après, vous avez l'orbite géostationnaire. Il y a aussi l'orbite de transfert géostationnaire. Il y a l'orbite héliosynchrone, il y a l'orbite héliocentrique, il y a plein d'orbites différentes. L'orbite polaire aussi. Mais l'orbite basse, oui, ça peut aller, on va dire, minimum, il faut quand même un minimum de 250 km d'altitude, on va dire à peu près à 2000. Il n'y a pas réellement de frontière au sens pur. Par exemple, pour ce qu'on appelle les satellites géostationnaires, donc qui restent toujours sur le même point fixe de la Terre, sont en orbite haute. Ouais. En orbite vraiment élevée. Ouais, à plus de 30 000 km d'altitude. Voilà. Pour donner on a une info intéressante, là, on a eu un tir statique réussi du premier étage de la prochaine fusée de Firefly Aerospace Alpha. Oui, mais on en a parlé hier, très surpris. Et on en a parlé. À lancement cette année. Bah, je pense qu'ils ont les ressources. Nouvelle, hein. Ouais, bonne nouvelle. Ils ont les moyens, je pense. De toute façon, faut pas souhaiter l'échec dans le spatial, même s'il y a beaucoup de concurrence, puisque des échecs, ça en revient à ralentir le programme spatial globalement pour tout le monde. Parce que tout le monde s'inspire des réussites de tous.
C'est pour ça qu'il faut soutenir tout le monde. Moi, je soutiens tout le monde. Je suis enfin, Alors. disons que je suis impartial, moi. Voilà. Et puis, on va dire, plus il y a de concurrence et plus les choses vont s'accélérer, parce que plus de concurrence, plus il faut se bouger un peu, quoi. Il faut développer des technologies, Voilà. etc. Faut pas que quelqu'un garde le monopole. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas que SpaceX aujourd'hui avec la NASA. Il y en a plein d'autres comme ça qui émergent. Oui, David, malheureusement. Je pense pas, Dame Dame. Je pense qu'Alex sera d'accord avec moi. Dame Dame qui demande, le lanceur d'Astra peut-il envoyer un satellite en orbite géostationnaire? Je pense Non, pas qu'elle non, soit assez non. puissante. Il est pas fait. Il est. Cette fusée n'est pas fait. N'est pas conçue pour. Géostationnaire, par exemple, c'est Ariane 5 qui va se charger de ça. Ariane 5, on parle d'un lanceur qui fait plus de 50 mètres de haut, quoi. Qui est quasi 5 fois plus haut que le lanceur qu'on voit à l'écran. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça dépend surtout de la puissance disponible que vous avez au lancement. Déjà, ça m'étonne même qu'une fusée comme ça, bon, elle est large quand même, c'est vrai, mais ça m'étonne même qu'une fusée comme ça puisse faire une orbite terrestre basse, tu Ouais. Et je trouve qu'elle n'a pas une bonne configuration de fusée. Enfin, je trouve qu'elle a été mal designée, cette fusée, je trouve. Moi, j'ai plus. Bah, à voir comme ça, elle ressemble plus à une Contrairement à fusée qui est. Electron, tu vois. Ouais, elle ressemble plus pour moi, enfin, je me sais que je me trompe, mais plus à une fusée qui peut faire des vols paraboliques. Ouais. Moi, elle me fait penser à la Minotaur. Minotaur 1. Aussi. 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 Tant Ah, que Caroline. Tant que tu la Carolina mettrais à est côté là. d'une proton. Ouais, tant que Carolina est là, je ne regretterai même pas s'il y a des holds. Moi, Allez, on y croit. je la sens pas du tout cette fusée, la forme est pas trop aérodynamique. Mais ouais, c'est ça, je la trouve pas Ça fait arme de adaptée. guerre. Ça fait cartouche de guerre. Je la trouve pas adaptée au vol spatial, quoi. J'espère me tromper, hein, mais. Allez, nous sommes bientôt à 20 minutes avant le décollage. Tout se passe bien pour l'instant. Je vais regarder un petit coup mon sondage. Vous répondez que la fusée va décoller à 61%. Bon, allez, les gens sont positifs, on va essayer de l'être. Les gens sont positifs au global, en majorité. C'est une fusée préhistorique. Vous êtes méchant. Pense qu'elle est puissante. Je pense vraiment qu'elle est puissante. Parce qu'elle est petite, mais elle est large et très lourde. Ça fait suppôt, mais bon, l'essentiel, c'est que ça vole, c'est ça. Voilà. Après, dites-vous quelque chose, c'est que plus elle est petite, moins elle est sujet aux contraintes atmosphériques. Ouais, moins elle est soumise au vent en altitude. Je Est-ce suis pas. qu'elle Ah, là, explose? on a une structure du lanceur. Regardez, c'est hyper intéressant. Je vais faire pause là. Ouais. C'est à quoi ça me fait penser, Ça. en fait, à Spoutnik. Ouais. Alors, en La fait, formule. regardez. À gauche, je peux pas mettre de pointeur. À gauche de l'image, vous avez le premier étage qui est propulsé par 5 moteurs Delphine. Donc il est, voilà, il est propulsé. Donc c'est le premier étage qu'on voit juste après, qui est assez long. Et après, on a un adaptateur, enfin on a un interétage, ensuite une petite tube d'interétage, qui contient le moteur du second étage, qui est une tuyau évidemment plus grande, hein, adaptée pour le vide, vacuum, et la charge utile abritée sous la coiffe. Voilà, donc là on a le lanceur en détail, ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas vu hier. Et Mais ça aurait été t'as vu intéressant qu'on le voit hier, ça. j'ai l'impression que la charge utile, c'est vraiment le petit rectangle qu'on voit au bout et qu'on après on a juste des réservoirs d'ergol. Ouais, ça fait pas beaucoup de Tu place vois ce hein, que je pour une veux dire? charge. Ouais. Bon, à voir comme ça, c'est la première fois que je le vois. J'ai juste l'impression que les deux sphères, c'est les réservoirs d'ergol et que la petite charge utile, c'est vraiment ce qu'on a au bout. La plus belle fusée micro-lanceur, c'est Astra. Pierre me dit non, moi je préfère Electron quand même, hein. Et même, on va avoir Zephyr après de Venture Orbital Systems, qui est français, Cocorico, qui sera bien plus joli, hein, quand même. À mon goût. Mais oui, David, à 17h, 16h45, on est en live cet après-midi pour le désamarrage du cargo Sinus NG16 de l'ISS. Allez, on est à moins de 20 minutes de ce lancement. On croise Ouais, les doigts, on y ça avance. croit. Ça avance vite, malgré tout. On parle, mais ça avance. C'est ça. Design, mais il n'a pas à voir avec le fait qu'elle doit être transportable rapidement n'importe où, donc il y a des limites en longueur, en élargie, voire même le volume.
Electro est bien, mais Firefly, c'est... Ouais, mais du coup, Firefly, c'est plus trop un micro-lanceur, elle fait 30 mètres quand même. Hein. Ouais, on n'est pas du tout, on est quasiment pour 3 moi, fois un plus haut que cette fusée. Un micro-lanceur, pour moi, c'est en deçà de 20 mètres, quoi. En dessous de 20 mètres, pour moi, un micro-lanceur. C'est ça. Déjà, 30 mètres, on est déjà à la hauteur d'une fusée Vega, quoi. Et après, merci. C'est surtout quel poids elle peut transporter. Ouais. Merci Tournelist pour ton abonnement, je crois qu'il vient de chez toi. Hein. Ouais, c'est mon modo. Merci à Tournelist, toi. Tournelist, c'est le genre de personne qui est avec moi pendant les sorties extravéhiculaires, de A à Z, même en vidéo. Il est déter. Hein. Ouais, mes abonnés sont généralement plus motivés que moi. C'est ça qui nous motive en fait. Hein. C'est ça. Bon, le compte à rebours est toujours pas arrêté, tant mieux, ça continue, ça se poursuit, on est à 10 minutes du tir. On est 171 sur live. Merci à vous. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. J'ai bugué pour le mec qui s'est abonné. J'ai pas compris pourquoi quelqu'un était en train de danser sur la fusée. C'est l'animation des abonnements, Pierre. Et les gens te disent aussi dans ton chat, désolé, j'ai pas de pouce bleu. C'est vrai qu'il y a une mise à jour, il y a un petit moment de YouTube où maintenant il n'y a plus de couleurs, c'est noir et blanc. Ouais. Mais surtout, on a une mise à jour récente qui fait que maintenant on voit plus le nombre de gens qui n'ont pas aimé le contenu aussi. Et ça, c'est bien. Bah, c'est bien pour ceux qui se lancent sur YouTube ou qui ont peu d'expérience. Ça peut les motiver éviter plus. De les démotiver parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et au début. Ah Alex, on fait très attention à ça, mais ça peut, moralement, ça peut vous déglinguer quelque chose comme ça. Ah, bien sûr. Si vous prenez une vague de dislikes par rapport au like, c'est quelque chose qui peut vraiment être un frein pour la suite de votre aventure YouTube. Même moralement, hein, ça peut faire beaucoup de mal. Hein. Ça, c'est une sorte de discrimination. Enfin, je vais peut-être un peu loin dans ce que je dis, mais... Voilà, quoi. Tournelis qui me dit, parfois je regarde des lives dans le bus qui va au travail, les collègues me prennent pour un martien. Au Québec, il commence à se faire tard, on risque de dodo si le countdown est remis en pause. On va estimer 7h30 le décollage. Non, c'est 7h03 pour l'instant. Moi, j'ai envie de te dire, Alex, vous êtes. Je pense que ta communauté est peut-être un petit peu plus jeune que la mienne. Moi, j'ai 30 ans, hein, je suis pas non plus, j'ai pas 40 ans. Mais nous, à notre époque, si vous voulez, ou quand j'avais ton âge, Alex, YouTube, ça commençait à peine. Et puis, on n'avait pas de lancement en direct comme ça, comme on peut voir régulièrement. Ça, on en a tellement que ça en devient banal. Mmh. Mais nous, quand on était plus jeunes, les seuls moments où on pouvait voir des lancements spatiaux, et il n'y en avait pas beaucoup, hein, à l'époque, il n'y avait que la NASA et l'ESA, globalement, c'était à la télé. C'était à la télé, on n'avait pas accès, ça n'existait pas, on n'avait pas YouTube, et même quand YouTube est apparu, hein, Alex, hein, on n'a pas tout de suite eu des lancements en direct comme ça. Ça s'est vraiment démocratisé il y a 5-6 ans. Ouais. Merci Massification pour ton abonnement. Pour dire, moi, le premier événement que j'ai vu en direct spatial, c'était en 2003 avec l'explosion de la navette Columbia. C'est pas le meilleur début. Parce que ça passait au journal télévisé, sinon on n'avait pas accès au direct. Il paraît petite cette charge d'armée, ouais, pareil, toute petite. Ouais. On a vu l'image. Je vois toujours les dislikes. Ouais, bah, j'ai vu que sur Mac, apparemment, on voit encore les dislikes. Mais par contre, moi, sur Windows et sur Android, je le vois pas. C'est une mise à jour, ça va devenir une généralité dans quelques semaines. C'est pour ça, voilà, faut pas banaliser, parce qu'on a beaucoup de lancements. Ça reste quand même toujours quelque chose d'exceptionnel, un lancement. Chaque lancement est unique. Par exemple, on a l'habitude que SpaceX, en tout cas avec les Crew Dragon et les Falcon 9, réussissent tout. Mais ça reste des prouesses à chaque fois. Hein. À mon avis, Alex, tu vas t'en souvenir, hein, il y a quelques mois, SpaceX, lancement Starlink sans problème, comme d'habitude, mais cette fois-ci, le lanceur a fait un plouf à côté de la barge. Il n'a pas atterri sur la barge. Souviens. Ça reste toujours des événements, faut prendre avec des pincettes. Hein. SpaceX a participé à démocratiser les lives de lancement de fusées, on m'a dit. Ouais. Tout à fait. Aussi. Merci, Olivier, pour ton abonnement. Aussi.
Il y a un mois de ça, tu vois, j'ai fait une rediffusion pour. Je voulais revivre ça avec les abonnés, le lancement du MS-10, donc lancement Soyouz, avec deux cosmonautes à bord. Faut pas oublier que cette fusée a explosé. Ouais, Cette fusée est explosée. c'était avec Nick Hagg et un autre cosmonaute, ouais. Voilà. Et les deux astronautes s'en ont sorti parce que les Tango Russes ont bien conçu leur fusée pour le coup, hein, parce que c'est parti, évacuation de la tour de sauvetage, et au moment où les quatre boosters, si vous voulez, se séparent, il y en a un qui s'est mal séparé, qui est venu percuter le reste de la fusée. Et on va dire, il y a eu comme un mode alerte, ça a éjecté la capsule, c'est ce qui a sauvé les cosmonautes. Mais ça reste pas anodin, hein, faut faire. Voilà. Sacha nous dit les lancements c'était en live sur le site de la NASA il y a depuis plus de 25 ans. Oui, mais on n'avait pas forcément le réflexe d'aller tout le temps sur NASA. C'était moins facile d'accès, on va dire. Là, vous avez une télémétrie, hein, une timeline, pardon, du profil de vol d'aujourd'hui. Donc, normalement, à T plus 8 minutes 40, ça sera fini. Donc, dans 21 minutes, normalement, ça devrait être terminé. Voilà. Tu as eu la chance de regarder en direct Thomas sur l'homme sur la lune. Ah non, c'est Fadel qui demande à un abonné. Ah ouais, c'est pas pour moi. D'accord. Moi, il y a Tournelis qui me dit que sa première expérience, c'était mon premier direct, c'était la première Ariane avec un compte à rebours à zéro et rien ne se passe. C'était vraiment les débuts du spatial, quoi. Ah ouais. Et en plus, à la Ariane radio, 1? pas d'image. Ariane 1? Ah, je tourne liste, bah, justement, il est venu rejoindre ta chaîne. Il est un peu plus vieux que moi, je crois, tourne liste. Bah ouais, je pense, ouais. Ouais. Et les amis, un petit pouce pour ceux qui ne l'ont pas oublié. Ça aide Alex qui passe énormément de temps pour nous. Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci pour lui. Merci, Ray. Merci beaucoup pour ton message. T'es Oh. vraiment gentil. On a passé Faut le pas cap du oublier. témoin 14, mais c'est vrai, on a passé le cap fatidique d'hier où on était à ce moment-là, on était en hold. Hein. C'est ça. Tout va bien pour l'instant, on croise les doigts, moi je croise les doigts de mon côté à la caméra. Croisons Jean-Paul les qui nous doigts. dit salut Marco. Salut Marco de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Jean-Paul. Non voilà, moi je mets beaucoup l'accent là-dessus, faut pas oublier que rien n'est anodin. Ouais. Rien n'est anodin, et même si on n'en parle pas beaucoup, il y a eu beaucoup de disparitions au spatial, dans le spatial donc. Tu dis disparition, c'est des morts tragiques? Je parle de Columbia, Challenger, Ouais, Apollo bah. 1, Ouais. sans parler de ceux Ouais. qu'on ne connaît pas qui ont apparu pendant la guerre froide. Hein. Par exemple, les cosmonautes qui sont revenus et que leur cabine a été dépressurisée, mal conçue à l'époque, hein, le début de l'ère spatiale. Ou même en parlant des animaux, hein, comme Laika, par exemple. Bah, si je me faisais regarder pour chaque lancement, je le faisais pour chaque lancement, et la première Ariane 5 qui a fait le plus beau feu d'artifice. Ouais, c'est vrai que les premières Ariane 5, elles ont eu du mal. Bonjour, on est avec vous. Merci. J'ai toujours adoré la fusée Columbia. Columbia, c'est une navette spatiale, hein, attention. Est-ce que Ariane a des projets de réutilisation? Oui, ils ont des projets de réutilisation via des démonstrateurs comme Callisto puis Themis. Et ensuite, en 2030, normalement, on doit voir arriver Ariane Next qui sera le lanceur réutilisable européen. Mais je t'avoue qu'on n'a pas trop de nouvelles. Je crois que l'année prochaine, ils vont tester l'un des démonstrateurs. Mais voilà, première expérience, l'échec du premier lancement d'Ariane 5, ouais. Ça, je l'ai pas vu en direct, mais j'ai déjà vu des images et c'était impressionnant. Des nouvelles, toi, par contre, du nouveau bras européen? Tu sais s'il marche bien ou Alors, non, il n'est pas déployé, c'est Mathias pas Maurer hein, qui va déployé? se charger de le D'accord. déployer en EVA. Ok, ça marche. Et la sortie, je sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, je sais qu'il va y avoir une sortie ce mois-ci avec Kayla Baron et Thomas Mashburn Le 30, ouais. pour préparer, je crois, les futurs panneaux solaires qui vont arriver. Ah, on a des go. Je fais augmenter le son. Allez, on est à 10 minutes avant le lancement. Ils sont en train de tout vérifier là, les amis. Allez, on est bon cette fois-ci. Attends, on n'a pas eu encore le go for launch. Hein. On y est. Attends. Normalement, si on regarde les procédures classiques de Attends. lancement. Delphin, are you ready to load sequences? Tango, are you ready? Attends quelques instants, Marco. Ouais, vas-y, y'a pas de problème. Go ahead, Dolphin. Igniter sequence is 703, Victor 3. Igniter sequence 703, Victor 3, slot 0. Good load. Engine Alpha is 821, Victor 3.
Engine Alpha 821, Victor 3, slot 0, loaded. Engine Bravo is 822, Victor 2. Engine Bravo 822, Victor 2, slot 0. Peut-être ça sera de faire des checklists, hein, les amis. Good load. Engine Charlie is 823, Victor 2. En fait, quand ils disent Engine Charlie, Engine Charlie ils sont en train de, là, ils sont en train de vérifier tous les moteurs, un par un, là. Engine Delta is 824. Il y a 5 moteurs sur le premier étage. Engine Delta 824, Victor 2, slot 0. Vous avez des accords pour diffuser la NASA Space Flight? Oui. Oui, oui. Et puis en plus, j'ai un modo de. J'ai un gars de NASA Space Flight qui est modo. Hein. On n'avait pas l'accord, pour moi le direct serait déjà arrêté. Ah bah non, on aurait déjà eu des gars de NSF qui seraient venus qui nous auraient dit coupez votre flux. RCO copies, we have a hold. Oh, on a un hold. Oh putain, nouveau hold. Chier. Ce que j'allais dire, ouais, justement, c'est que si on regarde la généralité des lancements, quand on arrive à 10, à moins 10 minutes, normalement, il n'y a plus rien qui se remplit, plus de réservoir, et on est là à checker si tout va bien. Putain, mais c'est pas et vrai, quoi. Qu'il s'agirait potentiellement d'un problème moteur. Potentiellement. Chier, quoi. Et puis là, j'ai le live qui bug, moi, chez moi. Ah, qu'est-ce que t'as comme problème? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est pas possible, quoi. Putain. On va jamais y arriver avec cette fusée, hein. Et oublie pas, hein, j'ai mis 203. Bah ouais, bah là, il y aura un troisième hold, c'est sûr. Bon, ouais, c'est pas grave. Espérons que ça dure pas trop longtemps. Ah ouais, là, ça fait déjà 2 heures que je suis en live, moi. Commence à fatiguer un peu. Bah ouais, ça commence à être relou, quoi. If we do resolve the issue quickly, which we hopefully will be able to resolve, then we would recycle the clock at T-minus 15 minutes with a new T0. Ouais, qu'il y a un peu de vent qui s'est levé. Mais bon, sinon, on va avoir un coup Twitter. Pierre, est-ce que tu as des infos, s'il te plaît? Yes, are in a hold, and we will also share a new T0 as soon as we have that information as well, so standing by. Oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. Ils ont pas le droit de nous faire ça. Alors, c'est chiant. Astra, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 1 minute, alors ils nous disent. L'horloge est maintenue à T-8 minutes et 38 secondes. Ouais, bon, ils disent rien. Non. Non, du tout. Sur le chat, alors il y a Tournelis qui me dit sur le chat de NSF, ils s'exclament tous oh non, hold again. Ouais, il y a de quoi. Bah, c'est rageant au bout d'un moment, c'est énervant. C'est énervant parce que là on était parti, il n'y avait pas d'autre hold et là ils nous en remettent un dans la vue, là c'est un peu chiant. Il y a Benoît qui te dit s'il résolve le problème rapidement, le code d'un reviendra à T-15 minutes, à l'heure de lancement sera revenu. Ouais. Oh. Attends. Ouais, donc on n'est pas à l'abri qu'il y a encore un hold après, quoi, putain. C'est pas possible, quoi. La limite, Astra, ils sont en train de nous faire comme Starship, là, où Starship posait que d'attendre et tout aussi. Ils sont en train de jouer avec Noner comme SpaceX Astral. Encore SpaceX, on acceptait d'attendre parce que c'était quand même quelque chose de grandiose et puis c'était des prototypes, quoi. Là, c'est pas un prototype, c'est quand même. C'est pas un lancement commercial, mais c'est un lancement d'essai, quoi. Enfin, c'est. Voilà. C'est un petit peu relou. Tout ça pour qu'il explose, mais ouais, mais c'est ce qui va se passer, je pense, en plus. Enfin, je leur souhaite pas, mais. Ah. Très bien, un peu le vent qu'il y a quand même là. C'est l'air quand même de. Je le vois pas plus que ça, c'est dommage, on n'a pas de témoin de vent là. Tu sais. Là, si tu regardes la fumée qui s'échappe. Ouais, c'est pas violent, violent. Pas assez vite, ouais.
And it sounds like we're going to be ready to recycle back to that T-minus 15. Ah, ils vont recycler le carburant en plus. Yes, that's right. The teams possible, were able quoi. To resolve the issue. You don't see any of the sort of cloud that was. Le spawn de James Webb sera également suspendu. Ça n'a rien à voir. Juste une minute. Rien à voir. James Webb, c'est dans moins d'un mois. C'est Ariane 5. Ariane Espace, ils tiennent leur délai. Ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, t'as Astra et de l'autre, t'as Ariane Espace. Non, mais franchement, ça me sidère. Le mec. Quel est le rapport, quoi? J'ai envie de sortir, tu sais, le gif avec Squeezie qui dit le rapport, quel est le rapport? Mince, quoi. Selon la NSF, problème de vanne sur un moteur. Voilà. Et puis ça, il ne peut pas le résoudre en 2 secondes. Hein. Moi, je pense que ça va être un nouveau scrum aujourd'hui, je vous l'annonce. Putain, c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est quoi le rapport, quoi? S'il vous plaît, quoi. Le vent va dans la bonne direction pour la même panne que la dernière fois pour la dérive au-dessus de l'eau. Ouais, mais Romain, ça fait 2 semaines qu'on attend le lancement, quoi, les mecs, au bout d'un moment. Ça va, quoi. Bonne nouvelle d'Astra. Ah non. Ça aurait été trop beau qu'on ait des nouvelles d'Astra. Bon, on va patienter, hein. Désolé pour tout le monde. Et comme ça. Il y a Arnaud Petit qui dit « Je ne pensais pas qu'une fusée soit autant fragile et capricieuse. » Ah bah c'est le spatial qui est ainsi, hein. C'est le charme du spatial. Qu'est-ce que ça va être quand on va lancer le Starship avec tous ces moteurs Raptor, quand on va les contrôler un par un? Ça va être quelque chose aussi, ça. Je pense que les directs vont être très 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 longs. Ouais bah après chez Avec Starship, on avait l'habitude d'avoir des lives très longs, donc ça, on s'y préparait. Ça, en soi, ça allait. Là, je me souviens, moi, Astra, c'était... Ça peut décoller entre 15h et 21h. Ah ouais, faut pas... Bah ouais, parce qu'on avait un TFR qui était extrêmement long, qu'on avait une très grande fenêtre de tir pour Starship. Il fallait prendre ta journée, hein, pour Starship. Hein. Là, j'ai perdu la foi, alors bonne journée ou bonne fin de nuit à la prochaine sur recul. Ouais, bah, je vous comprends, ceux qui s'en vont, là, vraiment, je vous comprends. Moi, je pense que ça va pas partir, je vous le dis, problème de van moteur, c'est compliqué en 2h27 de résoudre l'histoire. C'est tiré depuis où? Bah, depuis, c'est tiré depuis Kodiak en Alaska, Patrick. Ouais, de communiquer rapidement, dire, c'est scrub, comme ça tout le monde repart se coucher, ou à ses occupations, tu vois. Là, on est dans le flou, en fait. Enfin, on sait d'où vient le problème. Mais on sait pas si ça va repartir. Je vais pas te mentir, moi j'y crois pas. Non, moi non plus, j'y crois pas pour aujourd'hui. Là, malheureusement, on n'a pas d'autres informations à vous donner. On a déjà pas d'informations. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'attendre. Donc, bon. Marco, tu as des dons de voyance, Jack. Non, pas forcément, mais il y a des choses que tu ressens, quoi. Bon, là, ça devient pénible, vraiment. Astra, il faut communiquer, s'il vous plaît.
Vous avez un compte Twitter, citez-en. Plus il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui attendent que vous tweetiez là. C'est clair, parce que pour une petite société, niveau réseaux sociaux, ils sont Ah bien ouais, développés. ils sont là. Ils ont, je crois, 70 000 personnes, non? Un truc comme ça, attends. 74, ouais, 75 000, on va Ouais, dire. c'est fou, quoi. Non, ils se débrouillent bien. C'est pas une société très très, enfin, très connue dans le monde. Même en comparaison, Firefall Aerospace, 65 000 abonnés. Oh, il y a Oluka qui est sur le chat. Salut Lucas. C'est Lucas. Est-ce que tu veux venir au vocal? Nous accompagner dans cet enfer d'Astra. Ils sont où les pouces bleus, Lucas? Ils sont là, hein. Bon, on est toujours dans le hold, malheureusement. On n'a pas grand espoir. Malgré que sur le sondage, vous êtes toujours 66% à dire oui. Vous êtes des courageux, hein. Ou des inconscients, je ne sais pas. Je vais essayer Alex de Hawk, ok. Après, si t'es pas chez toi et que t'as pas ton setup de live, laisse tomber, hein. Ah, ça y est, ça a repris. Oh, ça On est à repart! 10. Ouais, Ça on repart, les reprend. amis! En 10 minutes! Ça va partir! Allez, on Allez! repart pour une, je suppose, une nouvelle vérification. On reprend tout à zéro. Ouais, moi je remets le son d'Astra un peu, on va se taire le temps qu'il est. Tu sais qu'il est. Problème. Les vérifications. Hop, c'est parti. Ready to activate. And as you just heard, our new T0 is 10:16 p.m. Pacific time or 6:16 UTC. The Astra teams are now 9 minutes and 30 seconds left. Et ça fait plaisir ça, hein, que le chrono reparte là. Ouais, effectivement. Attends, FTS, on a des go, on a des SKO, go. On Dolphin, se tait. Ether, go. Odin, go. Inko, Inko's go. Ace, go. Launcher, Launchers go. Orbit, Go. Booster, Go. GNC, Go. FAO, Go. CDH, CDH's go. Tango, Tango's go. Safety, Safety is go. Flight is go. Tango, confirm that in AV1 managed polling, we are still in ground mode. We're currently in do both ground and guidance, turning only ground pulling on. Do only ground, is that the true? Dolphin, do you require new sequences? Sequences have not changed, so we do not need to reload. Copy. Ether, please provide me with your flight sequence for tonight. Ether flight sequence 806 Victor 3. Ether sequence 806 Victor 3. Title all hosses, no bosses. Slot zero, loading. You just heard the teams have pulled go for launch. We're at T-minus Successful 8 load. minutes and counting. Tango and AV1 manage polling. Please toggle do both ground and guidance. Do both ground and guidance set to true. Delphin, please confirm GSE igniter system is ready for launch. Igniter system is ready for launch. Ça a l'air d'être bon, les amis. FTS, issue logic on AFTU. Verify CAS is green and nominal. And work. Logic enable issued and received on both AFTUs. Copy. J'ai pas entendu, moi, le go for lunch. Je t'avoue, moi non plus. Bon, en tout cas, le décompte continue. On est à Oui. 7 minutes du décollage. Qui devrait avoir lieu à 7h16, heure de Paris. Je pense Allez, on qu'on y va arrêter de croit. se poser des questions. On va juste regarder le décompte. Tango, at this time, verify that the vehicle is ready for launch, aside from tank pressures. Allez, c'est le moment de vous installer dans vos fauteuils et de profiter de la fin du décompte. Pour, à ton avis, ça va réussir ou ça va pas réussir, Alex? Moi, j'ai pas un bon pressentiment perso. Et pour toi? J'y crois pas.
Je veux pas être méchant, mais ça se voit qu'on n'y croit pas à cette fusée. Ouais, franchement. Tiens, je vais d'ailleurs poster un nouveau sondage. Je vous remercie d'avoir participé à celui-ci. Je viens d'arriver, je pensais pas tomber sur un live. On aurait dû déjà avoir fini depuis un moment. Ah, vous avez 63% à penser que ça va décoller. Nouveau sondage, est-ce que le lancement va réussir? Bah tiens, je vais demander à ma commu aussi, moi. Hop là, comme ça on pourra comparer. Final range green and launch authorization for this evening. This is RCO, range is green, you are authorized to launch. Ah, autorisé au lancement, Marco, ça y est, le go for launch. Donc on va avoir un lancement donc sur la chaîne de sur la mienne et sur celle d'Alex, vous avez je pense un sondage qui va apparaître. On vous invite à y participer, on va comparer justement tout ça après. Vous avez 5 minutes pour répondre au sondage. Ouais. Moi, je mets, est-ce que le lancement d'Astra va être concluant Non, plutôt, est-ce que le lancement d'Astra d'aujourd'hui va être concluant? En gros, selon eux, ça va finir par une destruction, oui ou non. Simplement. On va y aller. Allez, cash. Je vous ai envoyé le sondage sur le chat, à vous de voter. On a une énorme condensation, là. Un énorme venting. Allez, on passe la barre des 5 minutes dans quelques instants. En espérant qu'elle ne vole pas horizontalement, bah ouais. J'espère, alors, ouais. Je sais pas si c'est un conseil que tu donnes, puisqu'on est en live toujours au même moment, mais moi, on va dire 30 secondes avant le direct, je rappelle que je mets le son à fond du décollage, donc faites attention si vous avez un casque audio. Même chose pour moi, et moi je me mute et j'enlève ma caméra. Hein. Donc je pense que je t'inviterai à te muter aussi, c'est le temps qu'on ait au moins l'ascension, et après on reprendra le... Faites attention si vous avez un casque audio. Ce qu'on rappelle, il n'y a rien de plus puissant qu'un décollage de fusée. Déjà 65 votes pour moi, c'est quand même serré. Oui, à 57%, ça va réussir. Non, à 43%, ça va échouer. On est plutôt à 59% de oui maintenant, ça change. Moi j'ai 11 votes, vous répondez oui à 64%. Mais ils sont plus optimistes chez toi en tout cas. Ouais. Pour une fois. Vous êtes méchant pour Astra Alex Marco. Bah, il vaut mieux partir défaitiste et être surpris que d'être trop confiant et que ça ne se passe pas bien. Il y a Tournaliste qui me demande à quelle danse le décollage va-t-il ressembler. En référence au moonwalk. Pas la danse de notre astronaute qui danse aussi. Ah bah j'ai vu le message, Lucas. J'ai vu le message. Trop tard. Ça devait pas être lancé à 6h. Si, ça devait être lancé à 6h. Mais on a eu deux holds de la part d'Astra. Deux arrêts du compte à rebours. Petit malin de Lucas, je t'ai vu supprimer le message de ta copine. On dit un pétard à mèche, ouais, c'est un pétard mouillé, quoi. Pour l'instant, oui. On est presque à 100 votes déjà, 58% de oui, ça réussit, 42% de non, ça échoue. C'est mitigé, c'est mitigé. Ouais, c'est mitigé hein, sur mon vote. Allez, on passe la barre des 3 minutes. Ah, t'es en avance sur moi. Attends. Non, t'inquiète pas, je prends de l'avance. Attends, mais moi je vais me mettre... Il y a Benoît qui me dit, en répondant à Tournaliste, du coup sur la danse, la carioca cette fois-ci. Ok, moi je suis à 2,49 là. Ah non, c'est... Là, je suis à 2,48. 47. Ouais, je suis pareil, t'inquiète. On va partir avec la rallongée. Alors, on est à 60% de oui, vous êtes un peu plus optimiste là sur ces derniers votes. Je pense qu'à une minute du tir, je vais retirer le vote et je vais couper mon son et ma caméra. Et comme je disais, Marco, je t'invite à faire pareil. Tu coupes à quel moment? T'es moins une minute. Ça marche. On fera pareil. Salut Passion Space. Ouais, bon décollage. Moi, vous répondez oui. Vous répondez oui à 56%. Et pas moi, ils sont plus optimistes sur 62% de oui. Le spot est prévu pour quelle heure, Carla? 7h16. Allez, on est à 2 minutes du décollage. On va commencer à prendre les dispositions pour le lancement. Il est pas gentil, Lucas, de l'enlever tes messages, Carla. C'est pas gentil, ça. Attention. Je vous vois dans le chat, un bande de petits malins. Bientôt 250, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. On est qu'à 150 likes, n'hésitez pas, je veux 250 pouces bleus sous le live. Allez, vous pouvez le faire.
Comment ça s'appelle la chaîne de Marco? Marco Maldini. Simplement. Comme son pseudo. Enfin, c'est son pseudo, quoi. Allez, on est à 1 minute 30, les amis. Allez, moi, je vais me muter d'ici 20 secondes. Je souhaite à tous un bon décollage et on se retrouve quelques secondes après, du coup. Eh ben, je vais faire pareil, Marco. Très bon lancement. Ah, c'est pas ta Carla. Ok, ça marche, les gars. Désolé. Très bon lancement à toutes et à tous. Et on espère que ça va bien se passer pour Astra. Allez, à tout de suite, tout le monde. Excellent décollage à toutes et à tous. 60 seconds, vehicles on internal control. First stage LOX tank pressurizing. First stage fuel tank pressing. Thirty seconds. Twenty. Fifteen. Water on. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. LV0007 has cleared the pad and is on its way to space. Our next objective is Max-Q. On the left side of your screen, you'll see the progress of the vehicle effectivement. Through our mission milestones. Très beau décollage pour l'instant. And you can see velocity and altitude. LV0007 ascending through some clouds over Kodiak, now looking at onboard views from the rocket. Oui, bah, je réponds, je me suis trompé, on a bien une vue embarquée. Vehicle just passed 50 meters per second, 3 kilometers in altitude. Bon, malheureusement qu'il va un peu bugger. On va rentrer dans la zone de Max-Q, hein, normalement dans très peu de temps, Alex. T plus 1 minute, the vehicle is now through maximum aerodynamic pressure, the point of maximum aerodynamic stress on the vehicle. Next up is main engine cutoff, or MECO, at just about T plus 2 minutes and 30 seconds. Okay. Ah, oh mince, je suis mute depuis tout à l'heure, super, merci. J'y suis content, allez, enfin parti les amis, donc Max-Q, je répète, c'est la période de contrainte aérodynamique maximale exercée sur le lanceur, à cause de la friction liée à l'atmosphère, qui est dense encore à cette altitude. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de télémétrie, on ne sait pas quelle vitesse on est, on ne sait pas quelle altitude on se trouve. Et en bas à droite. Ah, en bas. J'ai ma cam qui planque. Vélocité 708 mètres par seconde, altitude 25 km d'altitude. Moi je suis un peu plus en avance de toi, on est déjà à 30 km d'altitude. C'est bon, le micro il est actif les gars. La flamme elle se... Ah, patine sur elle-même, moi je dis ça comme ça. Oui, puisqu'en fait la densité de l'air est moins importante à cette altitude, l'air se raréfie donc la flamme s'étend. On est à 20 secondes du MECO, donc on va couper les 5 moteurs Delphin du premier étage. Ouais, je cache des choses, je savais pas que je cachais des éléments. Ils m'ont pris au dépourvu, Astra. Ne t'en demande pas, si je suis là les amis. Vraiment, vous m'entendez là. Elle a décollé, c'est déjà bien, ouais. Bah, pour l'instant, tout se passe bien. Pas d'FTS de déclenché. Elle sait qui me dit Alléluia. Confirmed, option has received. Ils ont l'air heureux chez Astra, bah oui, ils sont heureux. Bien sûr qu'ils sont heureux, enfin ça part bien quoi. Pour l'instant, tous ceux qui ont répondu oui, est-ce que ça va réussir, bah, vous avez bon, pour l'instant. Attention, il faut avoir une mise en orbite également pour avoir un lancement réussi. Ah, on a une vue de l'intérieur de la coiffe, je crois. Ouais, ça c'est bien, ça c'est une belle vue. Ça. Ah, décompression. La séparation de la coiffe. Et succès de la séparation, allumage du second étage. Séparation réussie.
Oh, ça crie au sol, hein. Ça crie, hein. Minutes, 22 seconds and counting. The upper c'est bon, ça. Now, ouais, ouais, gars, c'est vrai, Arnaud. Ça fait plaisir. Teams are here in Alameda, very excited and rightfully so. 3.5 minutes in the flight, everything on track so far. Ils sont chauds chez Astral, hein. Again, this burn lasts just over 5 minutes. Ah bah, ils se disent qu'ils vont garder leur emploi. Un peu ça. Second stage's job is to get the payload and itself all the way up to. Non, non, séparation, très belle séparation. Ouais, super séparation. Altitude of 500 kilometers. Imagine la température à l'intérieur de la cuillère. Currently passing 200 kilometers. Elle est bien incandescente, hein. But of course, you got to get that extra velocity and altitude to stay in orbit. C'est de l'eau qui est partie avant le décollage. Oui, c'est ce qu'on appelle c'est le système de déluge en fait, qui permet d'atténuer les vibrations et le bruit au décollage. C'est une protection également pour la fusée, hein, parce que les vibrations, c'est ce qu'il y a de pire pour la charge utile et, ouais, et pour l'ensemble de la structure de la fusée. Ouais. Regarde les employés, on a une vue des employés. On se croirait chez SpaceX. C'est le SpaceX en petit, quoi. C'est SpaceX d'il y a 15-20 ans, quoi. Excellent, comment le moteur dit rouge. Ça me fait penser un peu à l'électron, elle est un peu pareille. Electron. Ouais. On a un peu les mêmes caméras, genre. Ça va. Niveau caméra embarquée, ils ont comparé à d'autres, ils ont pas à se plaindre. Ouais. On est déjà à une vitesse de 4000 de plus de 4 km seconde. C'est énorme. Et on est à près de 300 km d'altitude. Putain, ça va vite, hein. On est déjà à 300 km d'altitude. En 5 minutes, on est à 300 km. On a bientôt rejoint la hauteur de la station spatiale. Ah, c'est ouf, hein. Petite, mais puissante. Bah, en fait, plus c'est petit, plus ça va vite, quoi. Donc. And we want to give a shout out as well at this point to Thibault LaSalle for our graphics this evening. We are very happy to see our mission progressing with the graphics that we have and. On retrouve l'ambiance des équipes SpaceX, nous dit Arnaud Petit. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que la fusée qui porte des avions sont toujours là? Ah, Virgin Orbit, oui. Oui, oui. Non, je pense qu'il parle de Virgin Orbit. Ah. Effectivement, avant, les navettes étaient transportées sur des Boeing, hein, aussi. Je vais réduire un peu le son d'Astra. Eh ben écoute, on est à l'altitude de la navette, de la station spatiale internationale. Pas encore, moi je suis à 387 là. Ouais, ouais, non, disons qu'on est à l'altitude de la CSS déjà, la station chinoise. On l'a dépassé même. C'est incroyable quand même. Hein. D'ailleurs, en parlant de la station chinoise, la Taïkonaut a réalisé il y a quelques jours le VA. La véhiculaire. Ouais, on en a parlé dans notre récap aussi. On avait des belles images d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, ils ont sorti une vidéo où ils montrent comment ils se coupent les cheveux dans la station chinoise. Non, j'ai pas vu, ça doit être intéressant à voir. Et je t'enverrai le lien, c'est rigolo. Pourquoi en moins de 5 minutes, il réussit à atteindre l'ISS alors que les coups de dragon prennent un jour. Non, mais là, il atteint pas l'ISS, il atteint juste l'altitude équivalente. Ouais, on est l'ISS, à l'ISS, la capsule Crew Dragon, quand elle est déployée, quand elle est en orbite, elle est à 220-240 km d'altitude. Et je vous rappelle que la Falcon 9 est un lanceur qui est 6 fois plus grand que celui d'Astra. Ça fait pas le même travail. C'est pas le même job. Est-ce qu'on est déjà à 450 km d'altitude, quoi. C'est fou comment on va vite. Normalement, dans une minute, on aura le déploiement de la charge utile qui va intervenir. Hein. Ouais, on croise les doigts pour ça. Bon, au moins, Astra, c'est fait. Ouais, est-ce qu'ils vont arriver à l'orbite? Ils vont arriver à l'orbite, comment dire qu'ils vont arriver à l'orbite avant Blue Origin, quoi. J'espère qu'ils vont pas nous faire une nuerie, c'est-à-dire un bon lancement, mais une mauvaise orbite. Ouais, une orbite défaillante pour la charge utile. Après, nuerie, c'était une charge factice, donc ça va. Mais, échec quand même. C'était quand même un échec, ouais. Ouais. Rien à voir, Dragon transporte des personnes, pas des pales, à des patates, ça doit être plus doux et un parcours planifié pour un amarrage, tout à fait. Va rester combien de temps dans l'espace? Je sais pas. Bah, combien de temps va rester la charge utile?
C'est quand la fusée qui percutera l'astéroïde? Alors DART, c'est pour le 24 novembre, donc c'est mardi, c'est mercredi matin. Et on sera en direct pour couvrir ça. Alors, vous n'allez pas voir la percussion, vous allez voir le lancement. Le lancement et le déploiement de la sonde. C'est ça. Parce qu'à mon avis, la sonde va pas arriver de si tôt sur l'astéroïde, quoi. Je pense qu'elle va mettre quelques années. Ouais. Ça rigole chez Astra. On est détendu. On arrive bientôt à l'altitude visée, hein. On voit que ça réduit en termes d'altitude, là, en termes de vélocité. Je pense qu'on n'est pas loin du SICO, hein, du SICON Engine. Ça y est, coupure du deuxième étage. À ce moment-là, le moteur de tête, bravo. And there you have it, orbital insertion, second engine cut off. Allez, c'est pas encore réussi. Par contre, on a atteint la vitesse orbitale. Ouais. De libération. Astra est en orbite, les amis. Astra est en orbite. Avant Blue Origin. Si ça, c'est pas fou. Pourquoi ils vont détruire l'astéroïde, on nous demande, Marco. Je sais pas si t'es là, Marco. Ouais, je suis là. Ouais. Ils vont pas le détruire, ils vont le dévier de sa trajectoire. Ouais, pour voir si on, si on peut dévier un astéroïde qui nous menacerait, nous, la Terre aussi. En fait, si vous voulez, ça va avoir l'impact comme si une mouche vous rentrait dedans. C'est-à-dire vous n'allez pas la ressentir. Mais sur des millions de kilomètres, ça va le dévier au niveau de ses degrés. Ça va le dévier vraiment de sa trajectoire. Ça peut le dévier de millions de kilomètres. Parce que l'astéroïde en lui-même, il va rien ressentir quasiment. Mais ça peut dévier de quelques degrés. Micro degrés. Il y a un gars, il a dit dans le chat, bravo les gars, vous gardez votre job. C'est ça. GG à fin. GG aux équipes. Ah, très bien. Et ils sont affolés chez Astra. Il y a du monde qui bosse pour Astra quand même. Hein. So again, ouais. To confirm, we have accomplished our main objective for today. LV-0007 has reached orbit with its test payload. I'm so proud. On n'a plus qu'à avoir la confirmation que tout est réussi. Partners, ça va mettre un coup de boost pour Astra. Les investisseurs vont peut-être rester finalement. Bah, vu la puissance de la fusée, je pense que ça a surpris. Ah, c'est incroyable, hein, comment elle va vite. Hein. From the NASA Space Flight Team, this is Thomas Burkhardt, news director. I just want to say a big thank you to Astra for trusting NASA Space Flight with this broadcast, being able to see firsthand the first successful orbital launch. Ça sent le champagne, Astra. It's just something incredible. It's incredible to be here with the teams. Just from our perspective, this is so cool to experience. And a huge congratulations, Carolina, to you and the entire Astra team on this accomplishment. It is no small feat. And of course, the iterative path to orbit, it took, you know, you learned a whole lot on the way there. But this has just been so cool to watch. Thank you so much for partnering with us to do this. Thank you so much, Thomas. Let's go celebrate. All right, everyone. Du coup, c'est les joueurs. Je pense qu'ils vont tous aller boire un petit verre là. Petite coupe. Successfully reached orbit with LV-0007. And we are gonna stick around for just a couple seconds here. I believe we're gonna have. C'est la fin du flux, je pense. Ah, on a le CEO d'Astra qui est là. Hop on comms with us really quick. CEO d'Astra. It's going well. Of course, Chris Kemp, CEO of Astra. Chris, congratulations to you. Il est content, lui. Hein. C'est le fondateur d'Astra. Worked so hard on this for so many years, and this just really seeing iteration after iteration, failure after failure, lead to success. Everyone is. C'est leur premier succès, les amis. Hein. Passionate about. C'est historique pour eux. Hein. J'ai aperçu un chien dans la team Astra, nous dit Arnaud. J'ai pas vu. Elle est belle, ouais. Je vois pas de qui tu parles, Lucas, mais oui, elle est belle. Fais gaffe que ta copine passe pas par là, Lucas. Ah, c'est trop bien, GGE. Big thank you to Astra and partnering with us to help make this broadcast happen. Couldn't have done it without you. And NASA Spaceflight and Astra, looking forward to future Astra launches. Stay tuned for future spaceflight coverage on NASA Spaceflight.
Et ben c'est terminé. Moi je vais savourer la outro de NASA Space Flight. GG Astra, GG NASA Space Flight. Quel partenariat incroyable. Et le premier succès, ça y est, d'Astra. Ils l'ont fait, ils ont atteint l'orbite avant Blue Origin. Je le précise, le mec c'est qui continue de parier Blue Origin. Mais c'est incroyable, une nouvelle entreprise a atteint l'orbite. Si ça c'est pas beau. C'est ça. Et ben vous aviez raison, tous ceux qui ont répondu oui pour ce lancement. Et bah écoute, une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Ouais. Une bonne chose de faite. On va pouvoir aller se reposer un peu, il est 7h30 du matin. Et voilà, c'est la fin du flux NSF. Merci à eux de nous avoir couvert ce lancement. Nous avoir proposé ces images, nous avoir autorisé aussi de diffuser, parce que c'est grâce à eux si on peut diffuser aujourd'hui au public francophone. Et puis, ces images. Moi, je remercie tout le monde, hein, ta communauté, la mienne également, etc., qui ont été présents depuis 2 jours, qui nous ont fait des bons moments. C'est grâce à eux qu'on est là, hein, je le précise à chaque fois, parce qu'il n'y aurait pas de public, bah, il n'y aurait pas de diffusion. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible, on ne vous remerciera jamais assez, les amis. Merci à ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont lâché des likes. Qui ont partagé aussi la chaîne, je l'ai vu sur Twitter. Nous, on se retrouve tout à l'heure à 16h45 sur la chaîne pour suivre en direct avec Lucas qui sera là le désamarrage du cargo Sinus NGSS de la Station Spatiale Internationale. Donc rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne, moi je vais aller me reposer un peu, je vais aller déjeuner tranquille, fêter ça, franchement je suis trop content pour Astra parce qu'ils le méritent, échec après échec, ils l'ont enfin fait, donc GG à eux. Et puis bah... Très bonne matinée à vous, on se retrouve cet après-midi les amis. Ciao ciao, et puis salut Marco. Ouais bah écoute, bonne journée. Ciao tout le monde, salut.